Simon Blanchette, comment est-ce qu'il va? Hey, ça va pas, toi? Ben, numéro un, il hey, faut tout de suite que tu l'abcès. Il y a un absent de taille ce soir, <laughs> mais de taille. Gabriel Pichet s'est fait porter pâle cet après-midi, <laughs> malheureusement, empêchement de dernière minute du côté du gentil Gabichou. Fait que de ton côté, Simon, tu pas le choix de répondre à mes questions euh, du début à la fin, puisqu'il va y avoir personne pour nous interrompre euh, de ce côté-là. Pas de problème, on va, essayer, on va essayer de combler les vides. Excellent, excellent. Euh, je pense pas qu'on va avoir bien ben de vide euh, aujourd'hui, puisqu'on a un show là, quand même assez intéressant avec plusieurs invités. Mais toi, Simon, tu vas être là avec nous pour euh, peut-être une quarantaine de minutes. Euh, T'es un, yes. ben, un gars bien occupé, goaler dans une ligue de garage. Fait qu'on peut pas se permettre d'être en retard ni absent on compte ça. Sébastien Provo va se joindre à nous un petit peu plus tard pour venir parler de l'encadrement à l'intérieur du PDA. Puis on va closer ça euh, dans le cadre d'une discussion euh, entre moi, Sébastien, et Tania, qui va se joindre à nous là, une fois qu'elle va être de retour à la maison tantôt. Fait que, un show sans flafla, bien euh, ben smooth, mais où est-ce qu'on va pouvoir aller là, directement là, au cœur de notre sujet? Fait que Simon, si, euh, si je tenais à t'inviter, puis ça fait quand même un bon bout qu'on qu a discuté, c'est pour jaser du PDA de l'origine de tout ça. Euh, bon, comme, comme j'étais autour des, de la table pour les discussions depuis le début, euh, je suis pas mal au courant de ce qui s'en vient. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens euh, qui nous écoutent euh, d'où ça vient l'idée de, de créer le PDA? Ben, l'idée, je te dirais, est partie, euh, si je me trompe pas, en 2018. Euh, on a vu des échos de la part de Baseball Québec qui, à chaque euh, fin de championnat provincial, chaque, bon, chaque fin d'année, quand les championnats provinciaux sont terminés, on des sondages aux équipes qui ont participé à ces championnats-là. Puis Une des tendances qui qu voyait, était observée, qu'on voyait, c'était une certaine insatisfaction là, de la part des, des, des équipes, là, des parents joueurs, etc., envers la, je envers la qualité de l'arbitrage qui était offert dans ces fins de semaine-là. Puis, on s'est fait poser la question autant à moi puis à, à toi, Jeff, comment. Comment on pourrait améliorer justement cette qualité d'arbitrage-là? Euh, comment qu on pourrait faire ça? Puis Baseball Québec nous a à peu près donné le feu vert là-dessus. Là puis, contrairement à ce qu'on peut penser, ces discussions-là n'ont pas eu lieu au, dans une salle de réunion, au stade olympique ou à quelque part. Là. Euh, le tout a démarré, là, si je me souviens, à plein mois de juillet. Euh, championnat provincial, puis oui, a Exactement. Pendant que toi, JF, t'es en train de vendre des cossins à, à boutique. Pis... C'est sûr que j'en vends des cossins. Ah, ça, pour vendre des cossins, t'en vends. Ça, euh, j'ai aucune. Ouais, c'est ça. Je vais, pas <laughs> Je vais pas te contredire là-dessus. Non, non, non. non. Euh, c'est un talent que malheureusement, tu possèdes un peu moins, mais t'as plein d'autres belles qualités. Mais moi, pour vendre de la merde de Baseball <laughs> Québec, là, on est next level. Là. Fait que tout ça pendant que JF est en train de vendre. <laughs> t'es en train de vendre des, des cossins de Baseball Québec. On, en on jasant ensemble de voir bon, ben, quelle approche qu'on pourrait avoir pour améliorer euh, l'arbitrage dans les différents championnats provinciaux un peu partout dans la province. Puis une des premières choses qu'on s'est dit, c'est On connaît pas les arbitres. T'sais, les arbitres, quand ils arrivent en championnat, on ne les connaît pas, puis des fois, on a des super belles surprises, des fois moins. Fait que ça rend un peu euh, je ne veux pas dire la qualité, la qualité de l'arbitrage d'un championnat à l'autre, c'est très différent. L'arbitrage, très différent aussi. Fait qu'on s'est dit. Hey, si on, essaye, si on essayait de bâtir un programme, sur une année, qu'on soit capable de suivre ces arbitres-là, pas juste des de voir une première fois dans un championnat, mais qu'on soit capable de les voir une, deux, trois fois, puis de les amener, puis de les préparer à ces championnats-là. C'est un peu dans cet esprit-là -là, qu'en 2018, autour d'une table en plastique, on a commencé à penser à ça, non? C'est l'encontrement à long terme, c'est la surprise là, pour, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de championnat provinciaux euh, jusqu'à 2018, en fait, au niveau de A. Les arbitres arrivaient un peu de, de n'importe où, mais pas de n'importe où, là, mais les régions soumettaient des noms, on, on choisissait des fois en fonction des dossiers, d'autres fois en fonction des, des disponibilités purement et simplement. Puis on avait des arbitres qui n'arrivaient pas près, des fois plein de bonne volonté. Mmh. Puis l'amélioration était excellente, là, souvent le jeudi et le dimanche, là n'est pas la question. Mais on s'est dit comment on peut euh, rendre les arbitres meilleurs dès le jour 1. Puis je pense que les arbitres aussi voulaient ça. Tu sais, le nombre de fois, je ne sais pas si tu as, as dû te le faire dire toi aussi, c'est qu'un arbitre te dit, mais pourquoi personne ne me le dit avant que tu me le dises, toi Ah, ben écoute, c'est arrivé à, arrivé plusieurs fois. Puis c'est un peu une discussion qu'on a eue ensemble de se dire comment qu'on les. Les préparer un championnat. Euh, Qu'est-ce que tu as de besoin? Comment tu vas faire ta préparation? Puis souvent, euh, t'sais, t'sais, pour X raisons, des fois c'est la première fois que ces arbitres-là aussi étaient supervisés, étaient, avaient un certain encadrement. Fait que, euh, t'sais, ouais, t'sais, assurément, c'était une surprise pour eux. Puis euh, c'est ce qu'on a voulu un peu euh, on a voulu un peu aider avec le programme. Oui, puis comme tu as dit, la volonté des arbitres était là. Puis, au final, ce qui est important, c'est d'offrir un meilleur, un, un meilleur service aux, aux joueurs. Là. Le baseball tourne autour des joueurs. Il n'y a personne qui s'est dit hey, « on va le 8, 10, 12 équipes dans un seul et même site, comme ça va permettre à 8 d'autres d'arbitrer pendant 4 jours. » Fait que ça, on avait une obligation de résultat de ce côté-là. Puis, tu sais, quand tu parles de, de réunion puis d'organisation… Tu sais, la discussion qu'on a eue en dessous d'une tente de baseball Québec était super pertinente. Puis, à ce moment-là, c'était Jean Boulet qui était président de la Fédé, puis on a pu en, en discuter live. Mais la deuxième discussion pas mal plus formelle qu'on a eue à Québec était, était pertinente aussi. Là, la réflexion qui est sortie de là, c'était génial. Ben, tu sais, c'était de se dire, puis tu on avait... c'était de se dire, bon, tu l'idée est là. Comment on le met en application par la suite? Là? Parce que tu sais, c'est facile de dire que ça prend plus d'encadrement, mais ça te prend les moyens, ça te prend les, ça, ça te prend les gens aussi autour, puis un peu partout dans la province, parce qu'on visait, c'est un programme provincial. C'était d'avoir, je ne pas dire des tentacules, mais on peut le dire comme ça, un peu partout, pour fournir un encadrement à tout le monde. Fait que oui, on était parti partir d'une première rencontre, tu sais, euh, avec. Puis pour ne pas les nommer, Marc Genève, Gagnon, c'est une première rencontre à Québec. Puis on s'est dit, bon, comment qu'on fait ça? Puis une des premières choses qu'on qu avait mis en place, c'était un stage provincial. Oui, This... c'est ramification, le mot que tu cherchais tantôt, Simon. Merci, Capitaine. Ça Puis, fait ça te fait plaisir. <laughs> Puis je sais que ça te fait plaisir. Euh. Je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais. Euh... Ben, la discussion avec Yves, puis avec Marc, où ouais, est-ce qu'on qu a réfléchi longtemps? Là. Puis même, c'était était au bureau. Euh, Yves travaillait encore à ce moment-là. C'était avant sa retraite. Ouais. On, on s'était réunis dans la salle de conférence de la compagnie qui l'employait à ce moment-là, un, un samedi. Puis on est arrivé là-bas, on est arrivé à Québec là, un peu avant l'heure du dîner, puis on a discuté jusqu'en fin d'après-midi, puis même, euh, même en soirée chez Marc par la suite, puis le lendemain matin. Fait qu'il y a eu une bonne douzaine d'heures de, de réflexion autour de ça. Puis une fois l'idée de base bâtie, c'est-à-dire d'offrir un encadrement sur le long terme, mais il fallait meubler plusieurs mois d'un programme. Fait que mettons, là, tu sais, si on, si on se respire à 2019, là, parce qu'on va être à 2022, puis oh. euh, on va jaser COVID un peu après, mais en 2019, c'était quoi l'idée de base qu'on avait voulu offrir à ce moment-là nos arbitres qui disaient Moi j'embarque? Ben, ce qu'on voulait, c'est de leur dire, ben écoute, on va te suivre tout le long de l'année. On va être avec toi, on va être là. il y a deux choses qu'on Il voulait... y a deux choses principales, c'est-à-dire, tu sais, c'est pas l'armée ici, là. Euh, T'embarques pas dans l'armée, puis tu ne seras pas suivi au pas, mais c'est de dire t'sais, on veut une belle gang, on veut un esprit de famille, euh, on veut des échanges, puis là-dedans, c'est de dire ben, on va t'accompagner là-dedans si tu as des questions de la formation et autres, ben, on, va on va te suivre tout le long de l'année, puis on va t'amener vers les championnats. Le mot-clé dans ce que tu as c'est accompagnement, parce qu'il n'y a pas de bullshit qui est à compte aux arbitres à travers tout ça. C'est qu'on leur dit pas euh, écoute-moi, chef, puis tu vas devenir bon. C'est que l'arbitre comme n'importe qui a une responsabilité, c'est que la première personne qui est responsable de ses apprentissages, de son évolution, de son engagement, c'est l'arbitre lui-même. Mais nous, on l'accompagne. Ben, c'est en plein, ça, c'est de lui donner les outils. Puis C'est ce qu'on voulait se dire. T'sais, voici, c'est un peu, puis on le fait présentement, je ne veux pas sauter à 2022 tout de suite, mais on le fait présentement avec les rencontres individuelles, on rencontre chacun des c'est Voici ce qu'on te voit, voici les outils qu'on te donne. Puis après ça, ben c'est à toi de t'engager, à aller vers là puis d'utiliser ces outils-là. Fait que c'est un peu ça qu'on visait au départ, là. Fait que 2019, pour starter tout ça, là, mettons, les, les discussions qu'on avait eues à Québec, ça devait être euh, quelque part au mois de novembre, là, euh, quelque part là-dedans, puis dès le mois de mars, là, fait que dès le, à peu près à ce temps-ci de l'année, mais vu trois ans on avait réussi à tenir un premier stage annuel du PDA qui avait été une réussite sur toute la ligne. On, on, je me rappelle plus, on avait combien d'arbitres présents à ce moment-là, mais on avait une maudite belle gang. Ben, je me réfère aux au chiffres des premières années. On était autour d'à peu près 35. On avait évité... On pourra en parler un petit peu plus tard, mais il y avait le volet superviseur aussi qu'on avait amené un peu ah, en même temps. Mais, t'sais, pis t'sais, ça a été le seul et unique stage qu'on a fait. Parce que oublie pas, celui de 2020, le, le, notre stage était supposé débuter le 14 mars. Ah, boulot. <laughs> puis, je sais pas si tout le monde se rappelle, mais le 13 mars, ça a été la fermeture d'à peu près tout. Mais nous, le vendredi, on était supposé partir en stage. Eh, hey, sérieux, mon char était loadé, là. Tu sais, il y avait du verglas en plus cette journée-là. Puis, bon, moi, j'avais mais... eu le bon de au travail puisqu'il y avait bloqué, il y avait fermé les écoles. Mais j'avais packé mon char bien plein, j'attendais sur le bord de la porte. Puis, le texto est entré en disant, OK, euh, on annule tout. Ouais, puis, tu penses, c'est qui le cave, le matin, qui était au Stade olympique chercher tout le stock puis les catapultes? Au verglas pendant qu'il mouillait. Ouais, ça, a de... <laughs> ça a été une fin de semaine de, de déception. Ça, de... Je pense que je m'en suis jamais totalement remis parce qu'on avait des expectations super élevées. C'est un peu ça, le, le PDA, c'est qu'on fait un stage l'année 1, qui est tu coche. Ouais. Puis, on, mm -hmm. on fait passer un sondage aux arbitres en disant qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous avez le moins aimé. Puis L'année d'après, on, on voulait s'adapter. On veut toujours être plus meilleur, comme certains disent. Là. On veut toujours être meilleur de fois en fois. Autant au niveau des arbitres, les attentes sont élevées. Mais au niveau du staff et au niveau des superviseurs, c'est exactement la même chose. Euh... Ben, c'est ça, là, ultimement, là. Euh... C'est qu'on ouais, qu veut faire. Puis... Le... Mais le stage de l'année 1 avait été sa coche pas à peu près, là. Ben oui, puis tu sais, on est arrivé avec une. Je vais dire pas une autre approche, mais une certaine approche de dire, ben écoute, la moitié du temps va être passé de un vers la pratique en gymnase. Puis, c'est-à-dire. <coughs> on veut donner les mêmes standards pour l'ensemble des arbitres. T'sais, des fois, dans les championnats, on voyait certaines disparités d'une région à l'autre. On s'est dit, ben, on va essayer d'arrimer ça autour euh, des mêmes standards, des mêmes visions avec beaucoup de pratique. Puis, c'est de l'autre côté, c'était d'y aller avec la formation, beaucoup, ben, je vais dire beaucoup plus pratique, mais dans l'optique où. Euh, je veux pas dire, pas nécessairement une formation magistrale, mais de faire une participation, faire des jeux, d'avoir une autre approche pour un peu animer cet esprit de famille-là et cet esprit de gang-là. Tout à fait. J'ai Oli Saint-Germain qui me dit que mon micro sonne, sonne ordinaire un peu en ce moment, comparativement au tien. C'est pas la connexion, Oli, parce que mon forfait haute performance <laughs> débute le 3 de chaque mois. Fait que je vais l'approcher un peu, je vais enlever l'antipof quitte à, à faire une coupe de paix moins beau. C'est pas mal le, 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 le mieux que je peux faire en ce moment, mais n'hésite pas à me le dire s'il y a une amélioration ou si ça n'a absolument rien changé. Tantôt, pendant la petite pause, là, je ferai 2 trois ajustements, là, si besoin il y a. Mais en me collant la face dans le mic, habituellement, ça l'arrange bien des affaires. Je check si mes, mes aiguilles sont quand même pas pires. entend chance... très bien de mon bord, en tout cas. Ouais, ouais, mais toi, t'es es, es, es en zoom, <laughs> mon lapin. Là, fait que <laughs> c'est de voir le stream comment <laughs> il fonctionne. Ah oh, ouais. Euh, fait qu'un stage de la première année qui est exceptionnel, puis on avait essayé de quoi, puis je vais en parler à Tan. On... On, on arrivait avec, euh, avec une approche, là, y, où est-ce qu'il fallait bouquer des championnats féminins, on avait recruté quand même un bon nombre de filles, mm -hmm. entre 8 et 10, là, je me rappelle pas combien exactement. Puis, sauf qu'on les connaissait pas, fait qu'on les avait toutes mises dans le même groupe, là-bas, pour, ouais. pour les évaluer, puis les, on l'avait appelé le groupe rose, parce que bon, tant qu'à être un peu niaiseux, mais on va aller jusqu'au bout du concept. Puis les filles avaient détesté le fait d'être mises ensemble un peu comme si on créait un volet féminin et qu'il n'y avait pas d'inclusion. Puis quand on a annoncé le dimanche que c'était juste pour la fin de semaine puis que c'était fini ce temps-là, on, on avait eu une, une ovation de, de 8, <laughs> des huit filles. Là. Il n'y avait pas cent mille non plus, mais on avait, quand même eu, euh, on avait quand même eu une bonne vibe à ce moment-là. Puis c'est ça le PDA, c'est que tout le monde est inclus. Parce que dans la couverture des championnats, il y a également les championnats féminins. Ouais, pis sais, c'était pas dire parce que t'es une fille tu vas faire exclusivement des championnats féminins. Non, non, puis on a des discussions en ce moment là-dessus, là, avec, euh, avec des arbitres qui, qui ont exactement le même, euh, la, la même questionnement aujourd'hui. Fait que c'est stage de début de saison qui a lieu au mois de mars, la saison commence en mai. Euh, un peu de supervision des arbitres dans les régions, c'est-à-dire qu'on est allé voir les arbitres dans l'autre région, voir comment ils se démarquaient mais on avait quand même un bon volume de, de championnats provinciaux. Euh, rien de compatible à cet été, mais on, avait, <laughs> on, on, a, pu, on a pu évaluer quand même beaucoup d'orbites à travers les événements qu'on a couverts à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, on a eu la classique Claude Raymond aussi qui est venue, euh, qui est venue en 2019 comme un, pas un tremplin, mais je vais dire un, une occasion, une occasion d'encadrement le cadre où tu es dans, dans un événement euh, tu sais, tu sais, es dans un bel événement qui a quand même beaucoup de prestige, peut-être un peu moins de pression, mais c'est où tu peux travailler certaines choses. Puis, tu sais, on tu sais, ne se le cachera pas, Jeff, on a quand même beaucoup de latitude en termes de supervision et d'encadrement dans cet événement-là. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Fait que, tu sais, c'était un. Puis là, je pense que c'était le gros événement en plus en 2019 avec des équipes de l'Ontario. Il y avait deux, trois équipes de l'Ontario. Fait que, tu sais, du jeudi au dimanche, euh, qu'on était capable d'encadrer l'ensemble des arbitres. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait faire venir des arbitres d'une seule journée. Euh, ou deux journées. Fait qu'on pouvait en avoir plusieurs. Puis, tu sais, on passait juste une journée de formation puis d'encadrement avec eux. Fait que ça, tu sais, c'était un must là, dans, dans, dans cette saison-là, saison en plus de la supervision qu'on faisait pendant la saison. Là. Voilà. Il y a deux anecdotes qui, qui me parlent beaucoup en lien avec, euh, avec cet événement-là. Puis, je suis sûr, sûr, sûr que tu vas t'en appeler. La première, c'est qu'on se traînait toujours une balle de baseball dans les mains. Parce que, tu à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'espace est assez ouvert. Puis, on voulait... Parler à nos arbitres pendant les games. V... C'est un peu ça la vision PDA aussi. C'est que pourquoi attendre <laughs> sa manche pour donner un commentaire quand tu as l'opportunité de le donner live on the spot? Fait on... Ça, c'est un peu niaiseux, mais ça fonctionnait. On avait toujours une balle dans les mains, comme centre les manches, si on voulait passer un commentaire, mais on faisait semblant d'aller porter une balle de match. À l'arbitre du marbre, des fois on allait porter des bouteilles d'eau. Euh, l'arbitre du marbre disait "J'ai pas soif, oh, on s'en fout, tu vas boire." <laughs> puis on passait les commentaires. Puis la, la, la deuxième anecdote, mais ça l'implique Jacob Bellemare Je sais pas si tu t'en souviens. Système à trois, tu sais, c'est une demande de la classique. Puis Jacob arbitre au premier but, puis il était un petit peu mêlé oh, à savoir oui. quand fallait pivoter versus quand euh, <laughs> ben oui, quand, j ai, j ai... quand finalement slider vers le marbre. Puis, c'est qu'il était un peu mêlé, puis je criais des bêtises de par la tête euh, à côté de sa clôture. Euh, J'essayais de le téléguider. Puis, l'apprentissage que, que nous, on a fait comme superviseur à ce moment-là, c'est qu'on était capable de donner du feedback live en direct. Bon, j'ai peut-être un peu abusé là, de la présence de Jacob à ce moment-là, mais tu sais, quand même, ça nous a amené vers l'étape suivante qui était de, de dire, mais, ou en tout cas d'arrêter de. D'attendre à la fin des games, puis d'être avec un beau rapport détaillé, puis d'essayer de prouver à l'arbitre qu'on avait bel et bien suivi le match, qu'on n'avait pas mangé de hot dog toute la game, pour être avec un feedback live. Ben, un... Je pense que Jacob s'en souvient encore, d'après moi, il a encore gardé quelques séquelles. Mais euh, c'est un peu ça aussi le PDA c'est d'innover. C'est quelle façon qu'on peut trouver. Euh... Pour encadrer plus facilement puis donner du feedback plus, plus facile à nos, à nos arbitres. Puis cette histoire-là, je, je m'en souvenais même pas, je ne me souviens même pas de Jacob. Là, mais les balles puis l'histoire de Jacob, ça nous a amené en 2021 ailleurs je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle tout de suite ou qu'on attend. Ouais. <laughs> ben, 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 oui, oui, mais tu sais, je voulais parler de la parenthèse COVID parce que ça a été, ouais. des, t'sais, <laughs> t'sais, ça a été ben, des années toughes pour le baseball. Le baseball Québec a eu une augmentation de 5% en temps COVID, là, ce, qui, ce, qui est, ce qui est phénoménal. Là, tout le monde s'attendait à la catastrophe dans le sport amateur. Ouais. Nous autres, le baseball, là, ouais plus 5%, on est bon, puis c'est une fierté. Là. Mais en termes d'arbitrage, c'est que ça mange une claque parce que, ne veux, veux pas, les gens sont moins motivés. Pénurie de main d'œuvre un peu partout. fait Peut-être que certains ont dit « je vais laisser tomber mon loisir rémunéré pour aller me chercher une vraie job euh, ». Ça ça se peut. Sauf qu'à travers tout ça, puis à travers les épreuves, globalement dans l'arbitrage, le PDA a quand même été capable d'aller… Euh, D'innover quand même et d'aller de l'avant. En 2020, euh, sans provinciaux, c'est sûr que ça, ça, a été, ça a été rough, là, pas à peu près. Mais dès 2021, on est revenu là, vraiment à l'attaque. Ouais, puis même si je reviens à 2020, puis même au début, c'était de se dire OK, mais comment on, on modifie notre approche de supervision aussi mm -hmm. Il y a ça, parce qu'on on savait que c'était un système d'arbitrage. Bon, que t'sais, t'sais, tu le sais, tout le monde a travaillé là-dessus, de dire ben tu sais. <coughs> aussi détaillé que l'autre qui avait les, les arbitres ne sont pas habitués c'est quelque chose qu'on testait fait c'est de voir comment qu'on qu qu développe un peu notre supervision qu'on s'est accès beaucoup plus un peu sa communication lecture du jeu c ces choses là qu'il a fallu un moment d'adaptation mais je vais le dire comme toi effectivement ça a été beaucoup plus euh, beaucoup plus soft le en 2020 mais comme tu dis on est arrivé en 2021 avec d'autres belles idées puis je pense qu'on peut je pense qu'on peut l'attaquer celle là de, tu sais, la classique Claude Raymond. Euh, bah, je pense que je vais même revenir en arrière. Pendant l'hiver, Jeff, il me dit, Hey, j'ai une idée. Puis moi, normalement, quand Jeff me dit, J'ai une idée, c'est plus ou moins sérieux d'habitude. Il me dit, Hey, il dit, à la classique, il dit, On achète des walkie-talkies, puis on mike les arbitres. Je me suis fait de l'avoir regardé en voulant dire, De quoi tu parles? Tu t'en vas où avec ça? <laughs> puis, puis finalement... Il y a... <laughs> Finalement, il a réussi à convaincre Baseball Québec de faire une commande, de... <laughs> une commande de Mike. Puis on s'est renversé avec le secteur Draymond -de avec des, Voyons, avec des walkie-talkies. Puis le. Tu sais, l'item est cher parce qu'on a comme un espèce de petit walkie-talkie. Fait que nos arbitres n'ont pas une valise sur le field. L'oreillette dans l'oreille, ça fait FBI. Tu sais, il n'y a rien mais de... c'est les imprévus du matin. Tu comme premièrement le matin, l'école bleue. C'est le... <laughs> le garage municipal qui est genre en face du parc. Fait que t'as l'autre qui, qui arbitre au troisième but qui se fait caler un voyage de garnotte Là, c'est sûr que t'sais, ça, ça, ça l'interfère. Ou t'étais-tu là quand les... Tu sais, on avait deux terrains là qui étaient quand ouais, même... Ouais, nice. ben... Ça a été notre deuxième problème où les deux terrains qui n'étaient pas si loin que ça avaient des interférences un avec l'autre. Hey, C'était drôle. Que... Cool, fait que notre commande Amazon, finalement, est... était quand même pas pire là, pour la qualité hey, de... de ce qu'on avait. Là. Clairement meilleur que ce qu'on pensait. Puis ça qui est drôle, c'est cool, que tu as un arbitre au troisième but qui, à un moment donné, lève sa main et fait Hey, les boys, vous m'avez dit de me déplacer plus vite, mais j'ai pas eu de call. Hein. <laughs> » C'est que là qu'on a fait trois, oh, il faudrait peut-être changer de canal. Ouais, de... Ça a bien été à part de ça, là. Ben, à part de ça, ça a bien été, mais quand on dit oui, quand on disait tantôt justement qu'elle le PDA un peu, on voulait tester des affaires, ça en fait partie. On ne savait pas quest ce que ça allait donner pendant tout mais la classique pour nous nous donnait cette opportunité-là avec moins de pression, plus de latitude. Je pense qu'on va répéter l'année. On va répéter ça cette année parce que ça a été super bien accueilli par les arbitres. De, en deux manches, de prendre le temps de parler à tes arbitres, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en place la manche d'après. Puis moi, je me souviens, Jeff, euh, deuxième terrain à classique, Dylan Santé, je me, Dylan sans terre, pense que Kevin Laforge chez vu. Ouais, il, il, il se passe à peu près rien. Il se passe à peu près rien dans le game, puis t'as juste mon JF. Dans le walkie-talkie, Tu hey, les boys, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Restez alerte. Le jeu d'après. Écoute, sais-tu comment je me suis senti cette fois-là? Peut-être les gens un peu plus vieux vont le savoir dans Fort s. Gump. Tu sais, quand oh, le lieutenant d'âme s'en va dans, dans la jungle, là, puis baissez vous, fermez-la! <laughs> tu sais, le gars, il a comme un. Je me suis senti pareil comme lieutenant Dan, mais j'ai encore mes jambes, là, tu mais, mais vraiment, c'est que c'est... Non, mais j'avais le feeling, ça se sentait, là, on parle souvent de baseball à IQ. J'étais comme colique, il me semble qu'il... Tu il y avait des coureurs c'est il y avait eu une coupe de buts sur balle, puis, puis je trouvais un peu que... que tu que, que nos arbitres, ils... T'sais, pas, pas qu'ils s'endormaient sur le terrain, mais qu'ils devenaient un petit peu trop confortables, qu'ils étaient un petit peu trop à l'aise par rapport à la situation. Puis j'ai été un peu chanceux là-dessus, d'autant plus que j'avais dit à Dylan, hey, s'il y a un double puis il a Personne à la plate, Dylan qui est au troisième but là, dans, dans notre système COVID que j'espère oublier à tout jamais là, à partir de, de bientôt. Tu sais, Descends à la s'il y a de quoi, puis comme de fait, bingo. Là, après, comme superviseur, là, tu peux dire à ton orbite, écoute, chante à l'ouette, tu vas être meilleur, c'est sûr que le gars va te truster. Là. Ben, en plein ça, puis même un autre jeu, euh, puis je pense que c'est encore Dylan qui est, qui est, qui est dans l'anecdote, mais je me souviens après le demi sais. Je me souviens d'avoir entendu de mentionner quelque chose à Dylan, puis la demi-manche d'après, le premier jeu, exactement la même chose c'est quoi le nom du QB de, de Dallas qui est rendu analyste, à, dans, pour la NFL puis qui qui call les jeux d'avance c'est un peu. Ouais là, là j'ai un blanc je m'en veux là. J ai, j ai un don, euh... ben, moi aussi là, j'ai un, un don <laughs> divinatoire là, là dessus là, mais... Euh, Non mais ouais. c'est utile pour ça, c'est au, au delà de mes comparaisons là, tout C'est Romo, Tony Romo. Tony, Tony Romo. Romo. On remercie Sébastien Provo dans le chat sur le Zoom. Merci à notre chercheur et à Olivier Saint-Germain <laughs> qui ont sorti en même temps. Uh, mais, mais oui, c'est un peu ça. Fait que, tout ça était un plus-value pour les arbitres. Puis, tu sais, le, le débriefing le, le, le d'après match, on pouvait parler d'autres choses. Bah ben oui. On pouvait, on, pouvait, on pouvait amener les discussions ailleurs, puis même un peu plus poussées. Fait que euh, c'était super utile. Puis je pense que les arbitres, malgré qu'ils aient... Je pense qu'ils gardent encore quelques séquelles de Jean-François qui leur crie des bêtises euh, au, au micro. Mais, tu sais, on garde une super belle expérience. Là. Mais toi, tu parti parce que tu avais de quoi? Je pense que c'est pendant la finale ou quoi que ce soit. J'ai ouais. tellement calé Frédéric Cousineau, c'est pas fin. Pis... Peut-être <laughs> que je vais être banni des walkie-talkies à l'avenir. Mais écoute, je suis assis dans une... à la table de pique-nique dans le champ de droit à Saint-Jean, comment c'est fait, là, pas loin de la chambre. J'étais avec Nicolas Huet puis J.F. Hamelin. Et il y a deux policiers de la sûreté municipale de Saint-Jean. Qui débarquent. Puis les gars, ils me voient qu'un walkie-talkie dans les mains qui, qui parle. <laughs> puis euh, fait que le gars, oh ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, c'est que je communique mon, mes instructions aux arbitres pour faire de la formation continue. Le gars dit, ça marche-tu bien? Là, je fais check ça, c'était que hein. Fait que Hey Fred, avance d'un pas, je te trouve un peu loin. Puis Comme le fait à mon Fred qui avance d'un pas. <laughs> écoute, ça, c'était. c'était mon genre de niaiserie. Là. Mais tu sais, au-delà des niaiseries, on, on parle sans cesse de mes niaiseries parce que c'est sûr qu en, que je suis capable d'en sortir deux trois pendant une oh, fin ouais. de semaine. Mais, mais le, le feedback en continu, c'est quelque chose qui est apprécié par tous les arbitres. Tu check euh, Hugo Bissonnette, qu'on y a parlé là, dernièrement. Euh, Hugo, ce qu'il nous disait, lui, c'est. Euh, le feedback en continu, là, taillète, ça. Puis je pense que, que nous, on trouve l'expérience enrichissante, c'est une chose. Mais que les arbitres qui avaient Live, la trouvent intéressante, ça c'est next level. Là. Ben tout à fait là. Puis je me souviens, tu je me souviens même d'une discussion qu'on avait eue, euh, si je me trompe pas, je pense c'était avec Sylvain Saint-Donc qu'on avait eu à classique justement. Qui tu tripait sur l'approche. Oh ouais. Puis t'sais, il s'est dit, tu pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose avec des joueurs? Ouais, tout à fait, ou, là. Ou, ou aussi niaiseux que ça. Fait que, je pense que oui, les arbitres ont énormément apprécié de, tu parce que, tu sais, c'est toujours dans l'optique de, d'avoir un debriefing de 5, 10, 15 minutes à la fin d'une game, tu vas en oublier une partie. T'sais, tu vas en oublier une partie à la prochaine. Fait que de pouvoir le mettre en exécution tout de suite, de le corriger tout de suite, Ben écoute, tu sais, c'est beaucoup plus facile pour un arbitre de s'adapter, là. Ben, c'est ça, puis c'est moins fâchant aussi parce que tu te dis pendant 5 ans que j'ai fait ça, personne me le dit, là. C'est un peu comme quelqu'un qui a un bout de salade entre les dents. Tu n'attends pas au dessert pour lui dire. C'est un peu la même chose. Euh... Non, puis c'est un peu l'approche qu'on qu amène avec le PDA aussi. C'est un peu d'enlever cette barrière-là, de dire ben on attend toujours à, soit à la fin de la game ou à la fin d'un championnat ou autre, avant de devenir de, de corriger certaines lacunes. T'sais, pourquoi pas dans une game de saison euh, Tu pas entre la 2 et la 3, hey, peut-être une petite chose à, à corriger, puis tu es capable de mettre en application sur le terrain. Ouais, ouais. Euh, je vais prendre une question dans le chat là, parce que Daniel Dawson a écrit ça il y a une coupe de minutes. Puis mm -hmm. avant de l'oublier, puis d'orler de, ça demain matin en faisant la je l'oublier. oublié. Tu comment on communique, euh, comment on procède là, pour communiquer aux jeunes arbitres l'existence du PDA. Mais tu sais, à la base, si on, en temps COVID, c'est sûr que tout devient excessivement compliqué. Mais tu si on calcule en 2019, on est d'abord avant tout allé voir les arbitres qui avaient été avec nous lors des championnats provinciaux 2018, puis les arbitres qu'on avait trouvés vraiment bons. Puis, souvent, c'était des arbitres qui, tu sais, qu'on n'a pas recommandé pour le programme d'excellence, mais qui étaient comme juste une coche en bas. Puis, on voulait les revoir. Puis, c'était des arbitres qui avaient été bons dans tous les autres championnats provinciaux. Là, que ça parte du moustique euh, dans le temps, c'est jusqu'au bantam, A, 2A, peu importe. On, on a communiqué avec eux. On a des championnats féminins également. Puis, dans les championnats féminins, on tente d'avoir… Euh, le, un staff le plus féminin possible. C'est à peu près le, notre seule initiative de discrimination positive entre guillemets pendant, euh, pendant l'année. que c'est certain qu'on a demandé d'autres régions. Si vous avez des filles qui sont intéressées et qui veulent y aller, c'est euh, go-go, donnez-nous des noms. T'sais, par contre, il faut s'engager à, à évoluer à travers tout ça. Là. Le simple fait d'être une femme n'est pas suffisant. Il faut vouloir arbitrer également. Puis pour des arbitres qui nous sont totalement inconnus. Ben, ça passe beaucoup par le bouche-oreille. Oui, il y a les représentants régionaux qui sont impliqués euh, dans le processus. Mais ça, on a des superviseurs puis des ramifications, Simon, euh, un peu partout au Québec qui peuvent nous aiguiller. Mais ça, c'est un système qui est lourd à mettre en place, essayer de, de connaître tout le monde. On, on, est, on est meilleur qu'avant, mais c'est certain qu'on regarde des fois notre mode de sélection en 2022. Puis Même là, on, on se demande encore des questions comment on peut être meilleur? Ouais, c'est un de nos plus grands défis, selon moi. Pis, oui, on a un coût de marketing à faire avec le PDA. Euh, oui, le PDA existe depuis quatre ans. Bon, les deux années 2020-2021 ont été un peu plus difficiles. Là. Mais on a quand même un coût de marketing à faire de ce côté-là. C'est un de nos plus grands défis, c'est ça, c'est le recrutement de, de rendre le PDA attrayant et de, euh, de, de rendre plus facile l'accès, assurément. Euh, pis, cette année, si je ne me trompe pas, JR, je pense qu'on a à peu près 15 nouveaux candidats quand même, euh, d'un peu partout dans la province. Là. Fait que, le recrutement va quand même bien de ce côté-là. Ouais, on, on en a 14 euh, en fait. J'ai checké le, le fichier à matin. Je suis pas freak au point de savoir <laughs> ça par cœur. Puis ce qu'on a surtout, Simon, c'est des, des événements à superviser. On en a big time. C'est qu'on a un mois de fou, là. Je vais faire ta patate de ça aux gens à, à l'instant, Simon. Là. Euh, le, le, ouais, mois, ben... le mois de juillet, il est totalement. Il, il est malade mental. Là. Ben oui, puis tu sais, je me souviens des discussions qu'on avait ensemble, Jeff, en novembre, décembre. À dire, ah, cette année, on devrait avoir, sais des. T'sais... Un été un peu plus normal, c'est-à-dire un ou deux championnats en juillet août, le restant, fin de semaine de la fête du travail. Hey, on a-tu sursauté quand on a vu le calendrier euh, il y a quelques semaines. Puis on s'est dit que bah, le mois de juillet, hein, on n'aura pas grand break. Fait que euh, ce qu'on voit, c'est que le mois de juillet, c'est une fin de semaine après l'autre. À partir de la fin de semaine du 7 au 10 juillet, jusqu'au, euh, si je me souviens bien, le 4 ou 7 août, c'est non-stop. C'est non-stop avec la classique, avec les tournois de mi-saison bantam, les Jeux du Québec, puis les, les tournois provinciaux là, U11, ben, je veux dire euh, 11U, 13U, puis 18U, 2A, qui normalement ont lieu pendant la fin de semaine de la fête du travail, mais qui ont été déplacés à, à la fin juillet. Fait que, euh, tu on pas, Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a à peu près 15 événements provinciaux dans l'été pour nos arbitres. Fait que, ouais. tu sais, du volume, on va en avoir de baseball, là. Ben ouais, tout à fait, là. Puis, hey, tu sais, juillet, là, tu penses du 7 au 31. Euh, on a 16 jours sans championnat. On a comme 17 jours en championnat ou en événement, disons-le comme ça. Mm -hmm. Puis, on a sept jours off pour faire notre lavage à travers tout ça. Tu as, as, as dû entendre. Moi et toi, c'est moi, bon, on, veut, on, veut on va être pas mal euh, occupé ces journées-là. Mais tu as, t as ouais. dû entendre euh, ou lire les discussions entre moi et la mère de ma fille pour le partage des semaines de garde cet été. Euh, quand j'ai appelé ma mère pour lui demander Wow, ouais, c'est que tel jour, y'a-tu moyen que. Fait que je suis déjà en train, d'organiser, là... De, là euh, finalement, où est-ce que je vais domper ma fille, là, cet été, quand je pourrais pas, puis euh, essayer de trouver du temps en famille à travers tout ça pour nos vacances d'été, quand même. Fait que, ça c'est <laughs> déjà le casse-tête qui est commencé. Faudrait surtout pas, là, qu'ils viennent changer les dates, là, parce que ça, ça serait dramatique, là, pour mon organisation. Fait que, c'est des nouveautés, bon, la classique Claude Raymond, qui va être du 14 U cette année au lieu du 15, euh, tu sais, pour plein de raisons, là, qu'on qu va expliquer tantôt. Euh... Ben, c'est quatre jours, puis tout de suite après, les clubs 15 U 2A, l'ancien Bantam 2A, bien vont, vont tous jouer à l'intérieur de trois tournois euh, dis dispersés un peu partout au Québec. Euh, où est-ce que ils vont, les joueurs vont pouvoir être vus puis éventuellement être évalués? Mais ces tournois-là vont être officiés par des arbitres du PDA, à tout le moins en très grande partie. Puis comme nos arbitres sont là, mais on veut les superviser, pas parce qu'on veut les checker, puis les... Euh, c'est voir partout, mais parce qu'on veut bénéficier et profiter de ces opportunités-là pour être en mesure de... De, de les faire évoluer. Fait ça, c'est super intéressant. Bon, les Jeux du Québec qui arrivent, uh, my God, de uh, genre cinq jours après. Ouais. Les provinciaux 2A, uh, 11, 13 et 18U. Uh, le féminin la semaine d'après, hey, c'est que ça va être, uh, ça va être free. Puis, J'ai mis un bon point sur le chat quand il dit C'est sûr qu'avec des games de même, j'ai pas le choix d'acheter des undershirts. Là. <laughs> hey, pour vendre la merch, c'était écœurant. Puis là, écoutez, gang, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas, mais la semaine prochaine, promis. Je vais vous soumettre mon modèle de collant en hommage à Gabriel Pichet. <laughs> oui, c'est ça. Mais faire des collants avec la face de Pichet, c'est bien le fun. Mais c'est des collants euh, qu'on qu va vendre puis les profits vont être versés à une œuvre de charité. J'ai deux trois idées en tête en ce moment. Mais ça, c'est que si on peut, euh, si la face à peut servir à une bonne cause pour une fois, c'est certain qu'on va le faire. et hey Steve Martin, cinq enfants, la logistique. C'est sûr que si le plus vieux garde les quatre autres, t'es plus avancé que moi. Ma, madame la Marquise à a ans et demi, là, passe à faire garder par son chat. Là, y a pas, euh... Ouais, puis tu sais, ça m'amène deux choses. De un, on remercie beaucoup Hugo Bissonnette pour l'idée des, des stickers. Puis, euh, puis l'autre chose aussi, qu'on parle peut-être un peu moins dans le cadre du PDA, mais c'est tout l'aspect supervision-superviseur. Tu sais, il y a le développement qu'on cherche aussi en arrière de superviseurs un peu partout dans la province. Puis, tu sais, on le voit là, là. Tu sais, on est déjà, moi, puis avec Jean-François, puis Sébastien Provo, en train de regarder les différents superviseurs pour les championnats. Puis on se dit, c'est que ça prend du monde, C'est que ça aussi, ça prend du monde pour l'encadrement de ces, de, de ces je veux dire, jeunes et moins jeunes. fait que c'est un autre volet au PDA, tu sais, d'améliorer de, 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 un peu la supervision puis d'amener des superviseurs dans, dans le programme, puis à travers différents championnats aussi, des événements provinciaux. C'est ça, puis tu sais, au niveau des superviseurs, c'est euh, bon, c'est ma 25e saison, là, cette année, là, hey, non, je me sens vieux à chaque fois. Tu sais, j'ai commencé... C'est commencé... quasiment le double de moi, ça. Ben, j'ai commencé <laughs> à arbitrer au baseball au même siècle qu'Yves Gagnon quand Tu checks ça un peu plus tard, là, mais on, on est rendu, euh, historiquement, on est rendu dans le même range. Là. Puis, sauf que pendant longtemps, les championnats provinciaux et tout, c'était comme perçu quasiment comme un échange culturel. En disant, je vais vulgariser un peu les choses en disant, yes sir, je m'en vais à Trois-Rivières, puis euh, tu sais, m'allais boire de la bière avec mes chums, puis les superviseurs en profitaient pour voyager un peu. puis Les, les gens, généralement, en très grande majorité, faisaient ça de manière professionnelle. Mais quel est le but d'envoyer un superviseur? oui on veut développer des superviseurs en mettant mettons un, un plus jeune superviseur moins expérimenté avec un vieux de la vieille dans certains événements mais c'est la job de nos superviseurs c'est d'être au service de l'arbitrage d'abord et avant tout Mm -hmm. ça, ça fait que ça, ça fait partie de la mentalité. Puis, tu sais, Simon, avant qu'on se quitte, parce qu'il nous reste approximativement cinq minutes ensemble ouais. euh, avant que tu aies gaulé dans, dans ta ligue de camping de Boucherville, euh, tu sais, je, je m'en voudrais qu'on ne parle pas des, euh, tu sais, des phases dans, tu sais, de, de performance qu'on qu a visualisées ensemble. C'est certain qu'on qu va revenir là-dessus avec euh, Sébastien Provo là, dans, dans une deuxième partie d'émission. Tu sais, on, a, on a mis trois phases ensemble. Tu sais, on parle des événements depuis tantôt. Puis on n'a pas parlé de la Ligue collégiale en plus, puis du Mijat 3A, mais bon, on, je vais jumper là-dessus avec, euh, avec Sébastien tantôt. Tu sais, pour, pour nous, nos arbitres, mais il y a trois phases dans, dans l'année. La, dans la première, c'est l'entraînement. Un arbitre qui va faire un match le mardi soir, ça se peut que l'intensité et que l'enjeu ne soient pas les mêmes du tout qu'une finale des Jeux du Québec. Fait que, tu sais, faut non, pas demander. Fait. On ne peut pas demander à nos arbitres d'être toujours au, au sommet de, de leur performance. Fait que, sauf qu'il y a des aspects techniques qui peuvent être travaillés. Là, ça, c'est le temps de travailler ton timing. Là, c'est le temps de, de moduler, de modifier tes pivots en fonction des circonstances à ce moment-là. Tester ce genre de truc technique-là en plein milieu des, des Jeux du Québec ou d'un de, championnat d'EA, de c'est un, un peu plus touché. Là. Tu peux le faire quand même, mais quand tu es capable de te pratiquer, d'avoir des répètes avant, c'est en, encore mieux. Là. Puis, tu sais, on a même la Ligue collégiale en fin d'année qu'on a bouclé l'année passée. Fait que là, tu es capable, tu arrives en fin d'année, tu es capable de dire tel arbitre qui a performé toute l'année il n'y a pas assez de trois championnats provinciaux parce qu'on ne l'a pas vu venir. Mais c'est qu'on est capable de donner un volume en fin d'année jusqu'à mi-octobre. Puis là, soudainement, l'année d'après, on arrive Bon, mais c'est que pas te chaîner au mois d'octobre fait qu'on est capable de te donner un upgrade dans notre évaluation, dans notre approche, mais on te voit là pour la prochaine saison. Fait que ça, ça c'est la phase d'entraînement. Euh, puis tu sais nos très nombreux événements provinciaux tu sais je pense aux mi-saisons à classique Claude Raymond mais ça c'est de la préparation tu sais quand on va aller superviser des arbitres puis quand nos arbitres vont entrer dans ces événements là c'est qu'on va dire fait semblant que qui était au jeu du Québec là. Ouais ben tu sais on vient peaufiner certains éléments et puis tu sais on parlait de la classique. T'sais, historiquement, on servait un peu des championnats féminins aussi pour ça. Là, ils sont, sont, sont un peu plus tard, mais on va quand même s'en servir de cette façon-là. Les tournois 2A qui ont été. 15 U 2A cette année qui ont été rachetés, mais on va s'en servir pour peaufiner ces affaires-là en prévision des Jeux du Québec des championnats 2A. Puis il y a tout l'aspect championnat aussi à amener. Comment tu te prépares à un événement qui est des fois en dehors de chez vous? Euh, comment tu te prépares à cet aspect-là championnat qu'on ne parle pas nécessairement non plus? Fait tu sais, c'est un peu. On vient comme peaufiner avant, avant les championnats. Puis, tu sais, justement, on en parlait avec notre gang du PDA. T'sais, co comment t'embarques sur un terrain? Là, comment t'embarques pour avoir de l'archic? Ça a de l'air niaiseux, mais si personne te le montre, tu le sauras jamais. Là. Fait que, tu nous, on, on peut profiter de ces événements-là pour montrer comment, comment se comporter. Puis, finalement, il y a la phase compétition où, là, c'est It's Time to Shine. Là. Ben oui, puis, oui, puis, ce qu'on veut que le PDS, c'est enlever un peu, la, 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 pas la mentalité, mais l'approche de dire, tu s'en vas championnat, c'est une évaluation, c'est un test. C'est que nous, on, dans le fond, ce qu'on veut, c'est t'amener au au niveau au meilleur niveau pour ton développement. Puis là, c'est ce qu'on veut voir, c'est ces suppressions. Ces suppressions dans un environnement. Je ne veux pas dire hostile, mais probablement que tu vas me trouver un autre synonyme dans quelques minutes. Euh, es tu es-tu capable de bien performer puis on est-tu capable de t'amener à un autre niveau pour la prochaine saison? Et aussi en fonction de l'objectif qu'on a fixé avec l'arbitre en début de saison. Tu sais, est-ce que tu est es, es, es capable de remplir cet objectif-là? Puis, de remplir, dans le fond, le, le championnat, remplir ce qu'on qu demande et les attentes que l'arbitre a envers lui dans, dans ces compétitions-là? Si j'avais à trouver un synonyme, Simon, ce serait sous tension. Merci, capitaine. C'est toujours un immense plaisir, tu sais, puis euh, <laughs> c de, de, de synonymer avec toi comme ça. Là. Oh, ouais, ouais. Peut-être qu'on joue au Scrabble à un moment donné. C'est mettons, en soir, Tu sais, mettons, entre une fondue au jeu du Québec, pas que ce soit. On se fait une game de Scrabble en même temps, ça, ça serait génial. Là. Le jour où je vais faire une game de Scrabble avec toi, c'est que je vais être contraint par la force. <laughs> ok, c'est là. Bon. Tu sais, dans la vie, me faire humilier, c'est non. Elle c'est que ça fait des années que j'ai pas joué à ça ou quoi que ce soit. Euh, Simon, euh, plutôt euh, cette semaine, là, lundi matin, on était au show du matin de Baseball Québec. Puis je vais juste montrer aux gens un extrait de ta présentation à ce moment-là. Puis on va faire un petit retour là-dessus. Je passe ça à l'instant. Bienvenue parmi nous. Ah, merci messieurs. Très content avec vous autres ce matin. C'est ta première fois au show du matin, je pense. Hein? Yes, appelez ça. Good. Pas trop nerveux? Non, non, non. Euh, je me dis, je peux pas être plus niaiseux que JF, que je suis correct. Oh. Je, te, je te félicite pour la marque de confiance, Simon. C'est super gentil de dire euh, à tout le monde un lundi matin, Ben Smooth, que, que je suis niaiseux. Là. Euh, pis, ce qui est intéressant, pourquoi je voulais te venir là-dessus, mais je tiens à te féliciter également. Parce que, je, je, je vois tellement pas le lien là, pour vrai. Il <laughs> n'y ben, en a pas, c'est qu'il faut que je close l'entrevue. À un moment donné, il faut que tu arrives avec une fin une fin C'était le meilleur moyen! Oh non, 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 mais tu sais, c'est que pendant le show du matin, tu sais, comme là, bon, c'est moi qui fais la régie, là, j'ai Python devant moi, puis je les accroche une fois sur deux, là, mais on a, on a un réalisateur qui est hors d'onde. Et Simon, c'est <laughs> fait dire « arrête de bouger. Et tu pas trop bougé ce soir non plus, parce que Simon, non. il est souvent comme ça sur, sur sa chaise, puis ça peut être coupé dans le cadre. Mais là, tu pas bougé ce soir, t'as été bon, je te félicite. Puis, tu sais, on parlait de supervision, là, mais à ce moment-là, c'est qu'on le vit nous aussi, là, euh, en termes de comment s'exprimer, comment, comment, right. comment être au micro. C'est comme Oli tantôt qui me dit ah, « ton son est pas bon », mais à force de, de, de faire le show du matin quoi que ce soit, mais même nous, on a ce, ce briefing-là qui est comme « approche ton micro, puis gueule dans le micro, puis ça va faire la job à la place. » Ben, c'est notre développement, nous autres. Tu sais, ça prend une certaine aisance pour faire ces affaires-là tu sais, auxquelles je n'avais aucune expérience. Tu sais, on ne se le cachera pas. j'ai beau te traiter de niaiseux, Jeff. Tu as une certaine aisance de ce côté-là. Là, euh, tu es bon pour ça. Ce c'est pas évident, mais tu sais, on se développe, nous autres, de ce côté-là. On, on essaie d'être mieux à chaque fois nous on moins bafouiller, mettons. Je suis un cave compétent. Tu as tout compris. Excellent. Fait que... Ah ben merci Oli, que le son est mieux puis comme superviseur même nous comme gestionnaires on, on est toujours en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur puis mm -hmm. euh, on travaille fort là-dessus. Mister Blanchette, ce fut un plaisir. 45 minutes qui ont passé super rapidement. Ah ben un gros merci de m'avoir invité puis euh, écoutez suivez-nous pour le PDA. Il devra avoir quelques nouvelles qui vont sortir pendant la saison sur la page Facebook d'Arbit Baseball Québec. Puis je vous laisse en bonne main avec Sébastien Provo euh, puis Tania un peu plus tard. Parfait, fait qu on se laisse là-dessus, Simon, puis on revient dans un instant avec Sébastien Provo. Allez, merci, grand chef. Ah ben, nous revoilà avec Sébastien Provo. Salut, Jeff. Ça va? Ben oui, super bien toi-même. Euh, Très bien, merci. JC Saint-Germain qui est super fin, là, qui vient de dire qu'on est des bons gestionnaires. Mais merci, JC. Puis, tu sais, parlant de gestionnaire, même si tu n'as pas commencé le show avec nous, c'est que tu avais une rencontre individuelle avec un arbitre qui, qui s'est terminé là, probablement en même temps que notre show commençait, là, ou, euh, ou peut-être même après le, le début de notre show. Ah euh. oh, oui, vous aviez déjà commencé quand on a terminé. Là, puis, euh, j'ai dit euh, à cet officiel-là que. On avait du temps pour parler, que je rentrais pas tout de suite, fait que on, on était calé là -dessus. On a pris du temps. puis, mais c'est ça qui est le fun. Puis t'as as dit le bon terme, prendre le temps, parce ouais. que pour faire un recap, puis by the way pour les gens qui écoutent là, Sébastien était, est sur notre Zoom depuis tantôt, fait qu'il a, a entendu tout ce qu'on a dit, fait que il euh, était au courant de nos discussions. Fait que on, on a fait un retour sur les années antérieures. Puis quand on disait qu'on voulait s'améliorer à chaque année puis combler nos lacunes, une des lacunes qu'on voulait combler, mais c'est assurément la communication. Tu sais, mettons, euh, tu regardes au niveau du sport professionnel, au niveau des athlètes, euh, les athlètes veulent des buts, veulent des plans, ils veulent savoir où est-ce qu'ils s'en vont, ils veulent de l'information. Puis tu sais, on parle souvent de la génération du pourquoi, la génération du why. c'est tu sais, la génération de mes parents, où est-ce qu'on leur disait, fais ça de même, ferme ta gueule, c'est de même, puis c'est tout. Mais, mais c'est terminé, ce temps-là. Puis tu sais... Nous, on a voulu offrir un encadrement qui correspond aux valeurs d'aujourd'hui, puis mettre de côté ben, ce que moi j'ai vécu peut-être de mon bar, peut-être toi aussi, Sébastien, que ce soit au baseball ou dans un autre contexte. Là. Oh oui, tout à fait. Puis effectivement, aujourd'hui, la nouvelle génération euh, veut plus seulement faire les choses, veut savoir pourquoi on doit le faire. Et puis bien souvent, euh, d'avoir au moins une idée de, de la raison pour laquelle les choses doivent être faites de telle manière ouvre un peu la pensée, puis leur faire comprendre que, ah, ok, oui, c'est pour ça que je... Au lieu de se faire dire, fais-le, puis tu vas comprendre plus tard pourquoi. Non, non, je veux savoir maintenant pourquoi je le fais. Puis ça amène la personne ou cet arbitre-là à lui-même, des fois, trouver des meilleures solutions, des meilleures manières de pouvoir en arriver au même résultat, parce qu'il sait, il connaît la... L'esprit derrière le, le, le pourquoi qu'on doit se déplacer de telle manière, qu'on doit être positionné à tel endroit, qu'on doit rendre la décision de telle façon ou qu'on la règle est écrite de telle façon. Donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir communiquer avec ces, ces, ces arbitres-là pour ouais, qu'éventuellement ils deviennent un acteur dans, de, dans leur propre cheminement, dans leur propre procréation. Puis, oui, tout à fait, c'est un acteur, puis il faut, faut que tu sois impliqué. C'est un mot-clé au PDA. Puis, tu, sais, tu parlais d'expliquer tantôt. Même il y a des affaires qui ne s'expliquent pas tant que tu ne l'as pas vécu. Tu sais, puis un exemple concret, c'est la prise de changement. Tu sais, pour quelle raison on prend seulement les changements offensifs à l'offensive, puis surtout les changements défensifs à la défensive, mais c'est notamment en cas, en cas d'expulsion ou lorsqu'on a un frappeur désigné qui est impliqué. Tu sais, mettons qu'il y a un DH à l'alignement. Ça veut dire qu'un lanceur qui n'est pas frappeur pourrait, une fois à l'offensive, aller frapper uniquement pour le frappeur désigné, mais si tu une substitution au mauvais moment, mais là, ça peut venir bousiller tout ton alignement. Fait que ça, tant que tu l'as pas vécu, tu le vois pas, mais au moins, c'est qu'on prend le temps de dire à l'arbitre, écoute, c'est abstrait, mais un jour, tu vas comprendre en espérant que tu te fasses pas pogné Puis si jamais l'arbitre se fait pogné mais on espère que ça l'arrive dans un match du mardi soir, euh, pas dans une demi-finale de tournoi. C'est <laughs> le plus qu'on qu peut espérer, là. Mais c'est aussi de faire profiter de, de ces, ces arbitres-là, de notre expérience à nous, même si moi non plus, je n'ai pas eu, je n'ai pas euh, expérimenté la, 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 ce que tu viens de dire. Donc, euh, j'ai eu un problème de changement. Des fois, juste le fait d'avoir à traiter des changements où il y a le DH, euh, ça peut mener à des. Euh, des fois, là, la, la personne est complètement perdue. Donc, c'est bon de se pratiquer avant, d'avoir à comprendre la règle, à, puis... Comme je le disais, des fois, là, juste avoir quelqu'un pour être en mesure donc okay, on va passer à travers la règle, puis voici dans quel ordre ça doit être fait, dans quel ordre tu dois penser, tu sais, de, de pouvoir travailler un peu le, le processus décisionnel en arrière de ça. Puis de. de, de L'impression, ben, on amène des cas, puis là, on le fait. Ah, OK, ouais, euh, ouais, OK, c'est bon. ouais OK, je comprends. Là. OK, là, si je twitch un petit peu l'affaire, ah là, ça ne marche plus, là, c'est pas la même affaire. OK, ben, comment tu, tu gères ça? Ben là, il y a telle règle, ah ok, là tu vois, les, la, la, le petit hamster commence à tourner, puis c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut finir par que les arbitres soient en mesure de pouvoir, ok, je, le mot du livre de règlement, là, il, je le comprends pas, il est lourd, il est pesant, il est difficile, mais à un moment donné, euh, il faut que le, 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 <coughs> le vocabulaire, puis la manière que c'est écrit finissent par devenir quelque chose de pertinent puis qu'on okay, est en mesure de pouvoir vraiment l'appliquer de manière concrète dans ouais. des situations concrètes ouais. je, vais, je vais mettre un petit peu notre discussion là, sur la, la théorie puis la philosophie sur pause là, pour faire un paquet de liens puis tu vas voir où est-ce que je vais m'en aller avec ça yep. tout d'abord Jean Blanchette qui doit nous, euh, nous quitter euh, bon on est content que Thème nous suive même quand Gab Piché n'est pas là parce que des fois moi j'ai de la misère à suivre quand il est là euh, ce qui est pas, euh... ce qui, bon, on Il doit sal... boire de l'eau présentement. Ouais, on, on, on le salue. Euh, ben oui, il doit boire de l'eau, en effet, parce qu'il est sur une game d'hockey en ce moment. Ah, euh, oui. <laughs> que... Mais qui écoute le show, on te salue, Gabriel. Puis, euh, le lien que je voulais faire, le vrai lien, à tout le moins, euh, c'est que, bon, Sébastien Provost, t'es peut-être moins, étais peut-être un peu moins euh, affiché publiquement qu'un gars comme Simon Blanchette, qui est l'ancien arbitre en chef de Baseball Québec des dernières années. Ex-représentante régionale des arbitres euh, en Outaouais okay. et depuis quelques mois maintenant impliqué au sein du PDA en tant que responsable des superviseurs, de la supervision okay. et responsable des arbitres du groupe A, sans on va en reparler. Euh, Puis pourquoi je parle de, que tu es responsable des superviseurs? Mais c'est qu'ultimement, c'est toi qui vas signer euh, les superviseurs ou coordonner l'assignation parce que des fois, mon petit Simon, c'est certain qu'on passe des commandes spéciales euh, en lien avec ce qu'on a vu dans les années antérieures. C'est toi qui, qui es responsable de s'assurer qu'au niveau logistique, il n'y a personne qui soit oublié puis qu'on offre le meilleur service avec les moyens qu'on a parce qu'on n'a pas un budget limité à travers tout ça. Puis tu sais, on ouais. a Daniel Doston qui nous demandait qu -ce qu faut, qu -ce, comment on peut faire pour s'impliquer avec nous. Puis, puis c'est là que ça devient, euh, je dirais pas un peu touché, mais dans, dans notre approche, c'est qu'on on, 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 on effectue une certaine sélection auprès de nos superviseurs mais on va quand même sélectionner partout je ne sais pas si tu veux enchérir là-dessus ben, c'est sûr que c'est pas euh, pas une chasse gardée c'est pas un euh, euh club sélect, mais on a quand même fait une sélection à travers la province pour tenter de couvrir le plus possible. C'est certain qu'il y a des besoins plus criants à certains endroits que d'autres. Euh, je parle évidemment de euh, la région de la Capitale-Nationale ou euh, de la grande région de Montréal, parce que c'est là que la majorité des matchs se font. Euh, c'est sûr qu'on a aussi besoin de monde en Mauricie. Euh, évidemment, là, un petit peu plus à l'extérieur, donc euh, c'est là qu'on va surtout concentrer nos efforts, mais on a toujours besoin de gens à l'extérieur, comme justement ou dans mon dans mon coin, en web ben là, c'est sûr qu'il y, y, y a des gens pour ça. Mais on a des, on a des nouveaux membres qui sont dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, on, on a sûrement des gens aussi dans, le, dans la région du saint saint jean Donc, il faut être en mesure de pouvoir aller couvrir toutes ces régions-là. c'est pas toujours évident. Euh, puis, euh, ça, ça a toujours été un, je dirais pas un, tendon, un, un talon d'Achille euh, dans, dans les dernières années, de, de la supervision. Euh, moi, surtout, je parle par expérience en Outaouais, on a tôt, ça a toujours été des vœux pieux de dire Ah oui, on va faire de la supervision, de la supervision. Euh, oui, c'est toujours ce qu'on veut arriver à faire, mais. Bien souvent, ça nous prend des ressources, puis les ressources, c'est des humains, puis ces humains-là, bien souvent, sont eux-mêmes en train d'arbitrer des matchs. Donc, euh, de, trouver, de commencer à trouver des gens pour être en mesure de pouvoir superviser, puis on veut le faire, on veut être en mesure de pouvoir supporter nos jeunes arbitres qui se développent. Euh, mais la, vraiment, l le, le, le problème principal, c'est d'être en mesure de pouvoir mettre quelqu'un dans la chaise du superviseur puis de pouvoir faire le match. Puis ça, ben, c'est certain qu'on a besoin de, de l'implication, euh, euh, je dirais pas sans faire, mais euh, vraiment dédié de tous nos superviseurs, là, parce que ça va être un job très, très, très lourd cette année. Là, on va avoir tellement de matchs, on va avoir beaucoup de, de, de jeunes à les voir. Et puis euh, c'est un, un travail de tout, tous les instants. Puis, tu sais, il a, y a deux moyens de, de patcher, finalement, parce que souvent on est en mode patchage, là, mm -hmm. euh, surtout ces années-ci. Je, je répète qu'il manque mille arbitres au Québec. Fait que si vous avez un cousin qui s'ennuie cet été, là, ou une cousine, quelque chose, euh, c est, c est, ça pourrait être un, un passe-temps intéressant. Il faut, faut prendre on, notre salade. Là. On pousse depuis quelques années là, les, les, les binômes fils-père. Euh, ça, c'est quelque chose de vraiment ah, magique ouais, ouais, ouais. d'aller passer une soirée avec son père euh, au terrain de balle à Oudry. Puis en même temps, ben, ça permet aux jeunes de pouvoir avoir quelque chose de solide. Hey, J'ai la présence de mon père pour empêcher d'avoir de, des, des débordements des fois. Puis bien souvent, c'est le jeune qui est plus expérimenté que le, que le paternel. Donc, bon, on a euh, eu des, on, on a eu des témoignages là-dessus. Là, je pense euh, au duo Bovet, là, entre Bovet. autres. Voilà. C'est ça, au duo Eno en motricité également. Mais oui. où est-ce que je voulais aller avec ça? C'est qu'il a fallu se questionner sérieusement sur le rôle du programme d'excellence, le PABQ. Parce que jadis, c'est que c'était des arbitres du PABQ qui hey, ils en ont jusque là du baseball, c'est qu'ils en font pas à peu près, qu'on invitait pour superviser. Mais malheureusement, ces arbitres-là, pour la grande majorité, soit ils n'ont pas l'intérêt ou ils n'ont pas le temps de s'impliquer pendant la saison. Puis je ne dis pas ça méchamment. Parce que ouais. quand, quand tu es appelé à arbitrer 4-5 games par semaine, des fois davantage... Au niveau élite. Souvent, nos arbitres qui sont impliqués au niveau élite sont plus vieux. Fait que l'aspect familial, l'aspect professionnel qui rentre en ligne de compte là-dedans, ça, euh, ça vient un petit peu toucher de dire écoute, on aimerait ça que tu donnes une sixième journée, s'il te plaît, là. Mais Il y en a des mordus que les autres, ils vont juste prendre ça, puis ils n'ont rien à. On va le dire de même, ils n'ont pas de vie. Là. Ils vont euh, ils vont le prendre, puis ils vont être heureux de le faire, puis ils vont. Mais c'est une minorité, là, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis euh, c'est certain que oui, il faut penser à nos arbitres, mais il faut penser à nos, à nos superviseurs. les autres, ils ont une vie, puis ils ont, 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 ont d'autres choses en dehors du baseball, ça fait que c'est pas leur job, surtout que euh, disons, la, la, la compensation euh, financière est, est, est correcte, là, mais c est, c est pas, tu, tu vis pas de ça. Donc, euh, je veux dire, il faut qu'il qu y ait une passion qui nous anime en arrière de ça, il faut qu'on veuille redonner, puis je, dire, je pense que tous nos superviseurs sont animé de cette volonté-là, mais à quelque part, il y a aussi... La... C est, c est... On n'est on on est, on est des humains, on n'est pas des robots, Puis euh, pour la plupart, ils ont ben, des fois des, des enfants à aller s'occuper, il faut aller chercher à la garderie, il faut aller faire le souper, il n'y a, a pas juste le baseball dans la vie. Donc, ah, euh, faut être... Autant, il faut penser à nos arbitres et être en mesure de pouvoir respecter leurs besoins, ben, c'est la même chose pour nos spectateurs, il faut être capable de s'adapter à leurs disponibilité ou la possibilité pour eux d'être en mesure de nous fournir donner du temps. s'ils sont capables de nous donner deux heures dans toute la semaine, on va le prendre, c'est... C'est ben, à ce point-là. Ben, oui, non, parce qu'à un moment donné, tu arrives dans des événements provinciaux, puis il faut que tu aies. Si on veut un suivi en continu avec mmh. les arbitres, il faut avoir des superviseurs qui s'engagent une année. C'est certain qu'il y en a qui sont un peu moins disponibles, qui vont arriver à certains moments, puis qui vont disparaître, mais on essaie d'avoir une espèce de noyau dur qui va être impliqué, même pas juste pendant la saison. Là. Nous, la saison, c'est huit à 9 mmh. mois. Là. Voilà. La saison du PDA elle, a commencé au début février. Fait que la saison est déjà commencée, il y a déjà des superviseurs qui sont en action à monter des formations, à faire du suivi, euh, des entrevues, là, on va revenir sur le principe d'entrevue peut-être un peu tantôt, Sébastien, si on a le temps. Ouais, est fait ça. Qu on, on est déjà là-dedans à côté, là. Puis comme moi, cet été, c'est pas compliqué, c'est que j'ai collé off à job pour l'été. <laughs> non, mais en plus, c'est ça, une grande partie de nos superviseurs sont, sont formateurs euh, aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça permet de, de les garder dans, dans le loup pas mal toute l'année. La, pour nous aider à justement à soit aider dans l'ordre de la formation en ligne. Euh, avec euh, de tester les, les, les examens ou les formations, de pouvoir justement être en mesure de, de, de garder tout notre monde un petit peu sur les, le, le bout des pieds, le bout des orteils, euh, côté, euh, OK, euh, réglementation, euh, justement, un petit quiz, on a des petites affaires ici et là durant l'année, mais on tente de faire en sorte que nos arbitres ne soient pas oubliés puis que, oui, la saison dure quatre mois dans l'année, mais que ça ne soit pas juste quatre mois, puis après ça, on vous oublie, euh, C'est tant les en gardant la roue qui tourne, qu'on peut s'assurer que quand on revient en mai l'année prochaine ou en avril, euh, ben, qu on qu'on est déjà parti, on est déjà sur un air d'aller, on ne doit pas refaire partir la machine. Là. Donc euh, c'est. On rentre dans la, dans la saison, puis on est déjà en train de courir. L'inspiration en entière de tout ça, c'est que c'est un programme comme l'ABC. Tu checks, maintenant ce qui se passe au niveau mm -hmm. des joueurs, puis jamais au grand jamais on va avoir la, la prétention de dire. On va être aussi sharp qu'un programme d'élite qui voyage partout en Amérique du Nord, qui coûte dans les cinq chiffres aux joueurs auxquels participer en arbitrage, quand les débouchés ne sont pas en toutes les mêmes. fait que c'est de voir, c'est quoi la philosophie en arrière de tout ça, c'est quoi le thinking, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bon. Tan, quand, quand Tan va se pointer tantôt, euh, on va parler de, des apprentissages qui ont été faits là, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on est capable d'amener. Mais on est capable de chercher des choses dans les programmes d'élite de baseball de Québec au niveau de l'encadrement des arbitres. Puis ça, on, on va le chercher. Puis, tu sais, pénurie de main-d'oeuvre, de main là, carrément. Puis en termes de superviseurs, tu parlais d'implication tantôt. Mais PDA, c'est que les superviseurs arbitrent également. Là, cette année, ouais. euh, tu sais, c'est tu sais, mon prochain bloc, parler du midget On n'a pas eu la chance euh, d'en parler avec Simon, euh, qui est présentement en train de mettre sa jambière droite, possiblement. Euh, <laughs> non, ben, on n'en a pas parlé non plus, mais ju justement, je pense que tu voulais amener ça aussi, c'est le fait que une bonne manière de pouvoir contrer le fait que nos arbitres aient de la misère à pouvoir superviser parce qu'ils ont un match, ben, c'est de mixer la supervision avec le match. Donc là, on amène le côté mentorat, d'être carrément sur le terrain avec nos, ar nos, nos arbitres pour être en mesure de pouvoir donner le feedback directement pendant que ben, notre superviseur sert comme arbitre aussi donc euh, on rejoint je ne dirais pas l'utile agréable, mais le, les, deux, euh, les, les deux nécessités en même temps c'est tout à fait puis je vais t'emmener mon, mon, ta euh... mon tableau des phases euh, ici euh... Euh, non c'est faux c'est faux c'est faux ah, c'est faux c'est c'est moi qui ai comme euh, qui a comme partie vidéo en même temps toutes mes c'est faux c'est ça. Non, mais c'est que tantôt, je vais veux, je veux monter un extrait du quiz. C'est moi qui avais pré préparé des choses. Je pensais pas revenir ici. Là. Euh... Et non, je me demandais si c'était toi de ton côté. J'ai vu que tu avais aucune réaction. Je fais non, non, c'est sûrement à moi qui ai accroché le son comme d'habitude. <laughs> mais ah, Tu sais, ouais, le dans les phases d'entraînement, c'est comme nous, en entraînement, là, la Ligue collégiale. Tu sais, bon, toi, Sébastien, t'es en Outaouais il n'y a pas de club, puis t'sais, t'sais, ça, bien ça, bien. Ça, ça vient compliquer les affaires. Mais tu sais, comme Simon Blanchette l'année passée, a repris dans la ligue collégiale sur une base régulière. Je t'allais faire des matchs aussi euh, à l'occasion, mais on embarque sur le terrain, puis on se gêne pas pour donner du feedback pendant qu'on est sur le terrain. C'est sûr que comme superviseur, mais faut que tu laisses ton orgueil dans le chambre un peu, puis tout le monde fait des erreurs, puis anyway, un, un arbitre qui embarque sur le terrain, en se pensant plus gros que la game, en disant « moi je fais pas d'erreur, puis toi tu vas apprendre en me regardant euh, », c'est pas tout à fait la bonne attitude, puis quelqu'un qui a cette attitude-là, mais il a pas sa place au PDA pour une minute, là puis tu sais, les, les arbitres dans, dans MLB, ils sont là, puis ils disent tout le temps, dire, regarde, le jour où ce que je vais me penser parfait, puis que j'apprendrai je, je, plus rien, c'est en train de prendre ma retraite. Donc, je pense que les superviseurs doivent garder l'esprit le, ouvert, de dire, ben, je, moi aussi, je continue à apprendre, même si je suis posé euh, superviser le jeune puis de lui dire... Euh, de... de Quoi corriger ou arranger ben, Je ne suis pas parfait. puis Moi aussi, je suis encore en train de m'améliorer. Donc, euh, effectivement, euh, garder l'humilité derrière de tout ça, puis se dire, regarde, je ne suis pas, euh, pas l'arbitre euh, parfait. Regarde, euh, j'ai combien de séries mondiales euh, dans, <laughs> dans mon compte. Parce que je il euh, y en a qui en ont, ont pas mal plus que moi et euh, euh, ils sont euh, euh, encore en train d'amorcer. tu sais j'ai écouté le podcast euh, de Jerry Davis, 12412, euh, for 12, me semble que c'est ça le titre? Malheureusement, non. Il faudrait que je m'abonne ouais, à ça, sincèrement. Ouais. Moi, c'est que j'écoute ça avant de m'endormir le soir puis quand je m'endors vite, des fois, ça prend 2-3 soirs. Le temps d'en faire un mais lui, c'est 12 minutes. C'est pour ça 12 12-12 cool. étant le numéro de Jerry Davis. Puis, il parlait du rôle oui. du crew chief au niveau du baseball majeur dans un. Puis, il me semble que j'ai déjà compté l'anecdote. Peut-être que c'était la fois que Hugo Dallaire était là, en tout cas, peu importe, je le raconte. Cool. M'a doté de façon professionnelle. On ouais. demandait à Jerry Davis comme crew chief, comme arbitre d'expérience au niveau du baseball majeur, comment tu abordes la rétroaction avec les jeunes arbitres qui sont avec toi? Pis est -ce oui, que tu. Sais. Est-ce est que eux, est-ce qu'ils vont t'en qu donner du gaz? Puis Davis, il dit des fois, c'est qu'il ose pas me le dire. Puis c'est correct qu'ils ne me le disent pas parce que je le sais que j'ai merdé. Fait que lui, parce comme, que je suis Jerry Davis. C'est ça. Fait que lui, comme vétéran, mais ben, il a l'obligation morale de dire tu sais, tantôt ce que j'ai fait, mais c'était pas bien. Puis de revenir là-dessus. Puis si c'est vrai au niveau du baseball majeur, c'est vrai dans le 15 U2A à Saint-Eustache là. Ah, définitivement, Puis à tous les niveaux, qu'on soit dans le Junior et qu'on soit dans, une... dans la euh, désolé le, le, le terme, le 9 U. Euh... <laughs> Puis euh, peu importe, n'importe quel niveau, il y a toujours, on va toujours se retrouver devant une situation qu'on, on qu n'était probablement pas prêt, ou qu'on n'a jamais vu, ou que moi, je me rappelle de trois situations où facilement je pourrais te sortir de même, où ce que... Puis là, tu vas me dire, Hey, c'est pas ta préparation n'était pas bien ben bonne là-dessus, mais c'est quand même, c est, c est, juste pour donner à quel point que c'était la dernière minute, je suis en train de lire, puisque je fais toujours ça, je regarde toujours un article de mon livre des règlements avant d'embarquer le terrain, juste de même pour Puis je relis exactement une affaire par rapport au. À, que le lanceur a le droit de lancer un but inoccupé s'il croit que le coureur crée un jeu. Et puis ça ne sera pas une, une, une fête irrégulière. Ben, ça m'arrive. Exactement dans le match après, si j'avais pas lu cet article-là, j'aurais collé le ball. Euh, C'est pour dire des fois que tu n'es pas prêt, là, des fois, à, à, à prendre un jeu, à, à voir une situation. Euh, C'est pour ça que tu vois, on apprend à chaque match. Il y a tellement de choses qui arrivent à, à toutes les fois. Le baseball est tellement merveilleux pour ça parce qu'il peut se passer tellement n'importe quoi. Puis, il faut être prêt à toute éventualité. Là, je veux, je veux absolument parler de, de, de la saison 2022 qui s'en vient euh, avec le Midget 3A. T'sais, faire un wrap de la situation, le programme d'excellence un un de Baseball Québec, le PABQ, euh, était en restructuration cet hiver, puis tu sais, on nous a demandé là, à, à Simon et moi à ce moment-là, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez une vision en lien avec ça, et Simon et moi, bien humblement, on a dit « Écoutez, si vous voulez, le PDA est prêt à s'impliquer au niveau du midget 3A. La plupart des arbitres qui sont déjà actifs au sein euh, du réseau, parce que maintenant je parle de midget 3A, mais on est plus dans le 15U puis 17U 3A. Là, il y a deux ligues 3A qui vont être, euh, qui vont être en opération cet été. Mais tiens, mon puis Simon, on a dit écoutez, on connaît les arbitres, on connaît. Les arbitres d'avenir, ceux qui peuvent donner un coup de main, ceux qui éventuellement en saison vont pouvoir performer et s'établir dans les prochaines années. Fait que go, là, c'est qu'on qu y va. Et à travers tout ça, mais la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie d'arbitres fait encore mal. T'sais, on le sait qu'il y a beaucoup d'arbitres au niveau junior-élite qui revient le pas Ou beaucoup d'arbitres. Puis il y a plus de clubs également. Euh, puis il y a des arbitres qui sont surchargés, il y a des arbitres qui vieillissent. Pas nécessairement qui ont mal aux genoux. Sauf que les enfants, la famille et tout, il y a moins de disponibilité. Fait que peut-être que nos arbitres dans le Mijia 3 ont de belles opportunités de monter au niveau élite. Mais là, ça vient, ça vient créer un, un gap dans notre pyramide d'arbitrage au niveau du toit. Il y a des superviseurs qui vont plutôt au niveau 3A, qui vont donner du feedback sur le terrain. Puis les oreillettes dont on parlait en première partie d'émission vont être de retour même au niveau du 3 cet été. C'est un réseau de développement, oui, pour les joueurs, oui, pour les arbitres. C'est certain qu'il faut performer parce que ça reste du 3A. Faut, Il faut être minimalement bon. Sauf qu'il faut être bon tout en s'améliorant. C'est quelque chose qu'on, qui va être en place cet été, là, assurément. Là. Les oreillettes, ils vont être utilisés puis on va les traîner dans nos stocks. Là. Ah oui, oui, oui. Puis, tout à fait. Puis, comme les, les, les joueurs et les entraîneurs dans le, dans, dans le réseau de développement 3A euh, prennent ça très au sérieux, ça entraîne très fort puis euh, les, les matchs sont de haut calibre, ben, on s'attend à ce que les arbitres, ça soit la même chose. Il faut que tu t'arrives là, que tu sois sérieux, puis que tu sois pré pré préparé d'avance, puis que tu prennes la game au sérieux. C'est ça. On, on est les défenseurs de la game, comme le disait Joe West. On est les défenseurs de l'intégrité du match. Euh, ben il faut prendre ça au sérieux. Euh, puis c'est certain que... Les, les, les coachs aussi vont nous le rappeler à chaque fois. C'est un réseau de développement, c'est une ligue de développement. Mais ben, Parfait, OK. Euh, nous autres, moi aussi, je me développe. <laughs> Quand je suis dans cette ligue-là, il ne faut pas prendre ça. Oui, il faut, faut performer, il faut être sharp, il faut être euh, vraiment euh, à sa place. Mais en même temps, euh, c'est bien souvent des jeunes arbitres qui progressent dans, la, dans, dans le, le, le réseau d'autres performances. C'est la première marche, donc, quelque part, euh, ben, surtout après justement les, les, les gros championnats AA. Euh, c'est la première marche sur de dire OK, là, là tu es vraiment dans l'excellence, ben, tu vas commencer à apprendre le métier. Ben, c'est ça, il faut, faut apprendre faut y aller avec les premiers pas. Puis euh, c'est certain qu'avec les oreillettes, si on, on, on entre ça dans nos, dans nos matchs de 3 a euh, va falloir, un, que nos coachs soient soit au courant que nos arbitres ont ça dans l'oreille. Puis, que ça, ça, on n'est pas en train de leur dire quoi caler, là. ça reste les orbites sur le terrain qui, qui rendent le cal. Mais nous, après ça, on se sert de ce dispositif-là comme on l'a fait pour la classique Claude Raymond l'année passée. Tu en as parlé avec Simon tantôt pour, pour donner un feedback en direct, là. Puis, pas juste de leur dire « Ah, avance d'un pas. » Pendant qu'un petit peu, ici nous posent des questions. Ben non, mais ça, c'était pour l'image, là, mais tu sais, il y a, y a plein, plein, plein d'utilités là-dedans, puis, euh, puis tu sais, ici, là, tu sais, je regarde mes notes, là, puis tu sais, il faut, faut absolument qu'on parle de philosophie à travers tout ça, de philosophie d'arbitrage, philosophie de développement. c'est... Il n'y a pas un type d'arbitre en particulier qui est... Euh, qui est recherché pour le PDA, en fait, c'est qu'il y a des arbitres de tous âges qui, qui sont dans le groupe, qui vont être dans le groupe, puis dans le fond, le, le point commun de chacun, c'est de vouloir s'améliorer jusqu'à un certain point. Peut-être pour les plus vieux, c'est qu'on vise un accès au PABQ assez rapidement, parce qu'à un moment donné, il y a des besoins à combler, puis c'est que le bas de la pyramide pousse vers le haut également sauf qu'il n'y a pas de candidat type là. on ne cherche pas nécessairement des gars dans la jeune vingtaine ou des filles euh, c'est n'importe quel âge là. Puis, même euh, toi Sébastien qui va être responsable des arbitres du groupe A cette année parce que bon je passe un peu vite là-dessus tantôt mais on a le groupe oui. A qui va être pour les championnats peut-être ben, féminin les championnats A le moustique de a même à la limite où, euh, ce sont des arbitres peut-être un peu plus jeunes qui ne frappent pas encore à la porte euh, des plus hauts niveaux mais qui ont une volonté incroyable de s'améliorer on a le groupe 2A qui va être assigné là, euh, très majoritairement au match euh, de niveau 2A. Puis finalement, mais le groupe 3A, c'est le groupe qui va, comme le nom le dit, faire les matchs au niveau 3A. Mais tu sais, au niveau A, Sébastien, euh, nomme-nous, mettons, ton, ton candidat idéal qui arrive au sein du groupe A. Là, on ne parle pas tout du 2A ici. Habituellement, c'est un jeune qui, pas nécessairement qui débute, parce qu'on peut prendre des, des, euh, un jeune arbitre qui en est probablement à sa troisième ou à sa quatrième année, mais euh, qui, qui, qui sent déjà un certain potentiel dans son arbitrage, euh, puis qui, qui, qui recherche à vouloir se développer peut-être un petit peu plus vite que ce que... Il y aurait s'il restait juste dans la structure de sa région, sans vouloir dénigrer absolument pas les, les régions. Euh, mais bien souvent, des fois, euh, il y a peut-être un petit peu de manque de ressources par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est de, de pouvoir être en mesure de donner des ressources de développement, puis euh, de à, à, à l'année, en fait, euh, on va être en mesure de pouvoir feeder un peu ces, ces arbitres-là qui a, sont toujours à la recherche d'un peu plus, d'un peu plus, d'un peu plus. Euh, donc, le le candidat parfait là, dans le groupe A, c'est vraiment quelqu'un qui cherche juste à, à avancer dans, dans l'arbitrage, puis qui n'a pas peur de faire des erreurs. Parce qu'au début, c'est certain qu'on n'est pas parfait, puis qu'on va, euh, on, on va en faire des erreurs, mais d'être ouvert à la critique, puis de pouvoir travailler là-dessus. On va être là pour... Euh, pas nécessairement leur pointer à chaque fois qu'ils font quelque chose de pas correct. Pas, on n'est pas là pour ça. Mais on est surtout là pour renforcer des, des, des points forts, le, le, le faire travailler, de dire OK, là, ça va bien là-dessus, mais de travailler sur des choses un petit peu plus euh, qui, qui a des lacunes, puis de faire en sorte qu'il y ait une courbe de progression constante. On ne veut pas nécessairement y aller exponentielle. Si tu es capable de. Si on a vraiment des, 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 des rockets, non, ok, ben, tant mieux. Mais D'être en mesure de pouvoir garder une progression dans le développement, euh, de faire en sorte que qu'éventuellement, ben, dans deux, trois, quatre ans, on, on peut peut-être les revoir dans le programme d'excellence éventuellement, mais on n'a pas d'échéancier avec eux autres pour dire, que, OK, euh, euh, y, y, on s'attend à ce que tu sois dans le milieu de trois, dans trois ans. On ne veut, veut pas mettre de pression sur ces arbitres-là. n'y ouais, a pas parce de... que il n'y a pas de « t'as trois ans pour te à tel niveau, sinon ton, ton time frame est fermé, la fenêtre se ferme, tu t'en vas. » Non, c'est ça. c'est ça On ne veut pas commencer à... La, parce que là, il y a de la pression à ce moment-là. Dans leur tête, il y a toujours un, comme une épée de Damoclès au-dessus au d'eux autres qui disent hey « là, euh, si je ne fais pas mon euh, championnat euh, Bantam 2A cette année, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont me foutre à la porte? Mais... » Non, non, regarde. On va, on va s'assurer que tu te développes à ton rythme puis dans la mesure que ou ce que tu es en mesure de pouvoir continuer à progresser. Si l'année prochaine, tu es capable de faire du 13 UAA, ben tu feras du 13UA. Puis, on ne veut pas commencer à donner des objectifs aux arbitres. Ce qu'on veut, c'est que eux autres, ça, se donnent leurs propres objectifs et travaillent en fonction d'atteindre ces affaires-là. Puis nous autres, on va être là pour leur donner tous les outils pour être en mesure d'atteindre ça. Puis s'ils l'ont pas, ben c'est pas plus grave que ça. Euh, dire, y a pas, euh, on n'est pas ici pour. On n'est pas dans les minor leagues pour dire regarde, euh, on t'avait demandé de faire ça, tu ne l'as pas fait, t'es coupé, bye bye, on va passer au prochain. Non, non. Notre but dans le PDA, c'est de que chaque, chaque arbitre se développe à son rythme. Puis tout le monde est différent, là. Avec, il, il va y avoir des, des, des approches de supervision et de développement qui vont venir être personnalisées en fonction de. De, de la personne, de, des individualités. Donc, puis aussi, ben, évidemment, là, de, de, du, du nombre de matchs que chacun a, parce que selon la région, selon les réalités de chacun, c'est pas tout le monde qui sont en mesure de pouvoir euh, arbitrer certains niveaux. Euh, comme moi, je sais, je fais juste penser à Outaouais, le plus haut niveau qu'il y a, à part du Midget puis du Junior, ben, c'est du Midget A. Du bantam 2A. Il n'y a pas, pas grand chose de plus. Année, donc euh... ça dépend des régions, puis on peut. On est obligé de travailler avec ça. Vous allez avoir du junior cette année. Puis, t'sais, 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 on parle de baseball, oui, mais même, mettons, on regarde nos arbitres, puis lorsqu'on est capable d'avoir, mettons, un, un jeune arbitre euh, 15, 16 ans, qui a des, une, deux années d'expérience, puis qui est vraiment arbitrage, qui s'en vient avec nous. On est, on est capable d'y offrir un championnat. Ça peut être un championnat au niveau A, ce qui est à proximité de la Mauricie, puisque les championnats sont encore là cette année, tout comme l'année passée. Ça ouais. peut être un championnat de a également, tout dépendant de son stade. Mais ces arbitres-là, éventuellement, arrivent à l'âge de 18-19 ans, puis c'est les études postsecondaires. Ça se peut que les disponibilités baseball diminuent un peu, mais au niveau humain, est, on est capable de, de dire, « Écoute, prends ça off cette année, puis rappelle-nous par la suite. » C'est qu'à un moment donné, de demander à des arbitres de mettre en priorité le baseball dans leur vie, c'est totalement ridicule. C'est mmh. à moins de, de viser une carrière professionnelle, puis c'est quand Anne va être là tantôt. Mais ben, tu c'est qu'on va en discuter aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est oui, c'est le fun le baseball, mais il y a des maudites limites à travers tout ça. Fait que, Alors, quand... Si tu vas en faire ta vie, c'est certain que ça peut être une opportunité. Mais à un moment donné, si c'est pas ça ta priorité, de ce que tu vas en faire ta vie tu moi, quand, oui. quand quelqu'un m'arrive et qu'il me parle de professionnel, puis en disant ah, c'est un bon candidat. Ouais, mais quand tu me dis que c'est un bon candidat à 17 ans pour le professionnel, tu es en train de me dire également que c'est un bon candidat pour être dropout out du Cégep. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut connaître les limites euh, de, du système. Mais bon, si la personne en mange et c'est son choix numéro un, mais go, 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 là, tu qu'il aille. Mais tu peux euh... pas mettre ces, ces aspects-là de côté. c'est tu sais, moi, je m'en rappelle, quand, quand ma fille est née, là, tu sais, Fred, elle a 9 ans maintenant, euh, début de vie pas facile, fait comme un moment donné, je prends un break de baseball, puis je me suis fait répondre par quelqu'un, « Ah, mais tu devrais faire du baseball, ça va te changer les idées. Oui, » Voyons, ça marche pas de même. <laughs> C'est ça, est... tu ne peux pas non plus commencer à mettre ta vie sur pause pour le baseball là, non plus. Là. Il y a des choses pas mal plus importantes qu'une balle et un bâton. Là. -dire, euh, il faut être en mesure de pouvoir euh, euh, travailler autour de cette réalité-là, puis de faire en sorte que chacun soit en mesure de pouvoir se développer puis fleurir d'une certaine manière en fonction de ça. Là. Donc euh, ouais, non, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait des rencontres individuelles avec chacun de nos arbitres. Oui. C'est qu'on est capable de dire mm -hmm. voici ce qui t'attend cet été, voici jusqu où on pense que tu es capable d'aller, voici ce qu'on est capable de t'offrir pour aller au prochain niveau. Puis, c'est qu'en même temps, ça permet de demander aux gens toi, tu es disponible quoi ça, le, Quand Ça ressemble à quoi tes disponibilités l'été Fait que quand quelqu'un nous dit moi, je travaille autonome, je travaille quand je veux c'est qu'on prend des notes puis on écrit. Quand quelqu'un nous dit « Ah, mais moi, j'ai deux semaines de vacances à ma job », c'est un peu limité. On est capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accommoder. Fait que même si voilà. on est au tout, tout début du mois de mars, puis ça fait déjà deux semaines qu'on est là-dedans, on commence déjà à, à signer dans une première vague certains championnats à certains arbitres. On n'est pas capable de loader tout de suite là, la, la grille de, de championnat parce que c'est complexe. Mais c si on est capable d'accommoder tout de suite certaines personnes... Mais Go, là, ça fait également partie du développement. Non, mais on a déjà, euh, puis là, je ne veux pas embarquer dans, dans, dans des, des scoops ou quoi que ce soit, mais on a déjà. On commence déjà à avoir une très, très bonne idée de qui peut être où, puis euh, ça, 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 ça va bien. Déjà, ça fait quoi, deux semaines qu'on est là-dessus? Euh, ouais. euh, on a déjà une très bonne idée du tableau qu'on va avoir, autant pour, évidemment, notre, notre, notre groupe de 3A qu'eux vont être... Euh, pas mal à signer au match 3, mais pour ce qui est des championnats, je te dirais qu'on a déjà une très bonne idée de qui va être où parce que on a déjà des bonnes confirmations ben, pas mal à travers toute la, la, la liste de, de candidats qu'on avait. Puis ça, ça va bien, ça, 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 ça s'annonce très bien pour cet été. Puis, euh, tu sais, mettons, là, je me permets de changer un peu de sujet là-dessus. Tu sais, on, on arrive avec un, une approche, c'est de nouveau genre, très euh, adapté à l'humain. Euh, mm -hmm. Dans certains cas, je pense à moi et Simon, peut-être qu'on a un peu de ressentiment sur des choses qu'on a pu vivre euh, dans le passé euh, également, dans, à certains niveaux de, de notre carrière. En disant, moi, j'ai dû passer par cette épreuve-là, ben, épreuve ça reste de la balle, c'est pas une épreuve, <laughs> mais on a, on a dû passer par différents chemins qui n'étaient qui pas euh, qui, est, qui étaient pas petits mots finalement. Fait qu'il a fallu, euh, on essaie d'amener les choses comme nous, on l'aurait souhaité si c'était à refaire. T'sais, des fois, tu dis « Ah, oh, j'aurais aimé ça si ça avait été comme ça. Mais nous, on s'est dit, mais go, on le fait. Toi, dans ton parcours, Sébastien, tu un gars qui a commencé plutôt au baseball un petit peu plus tard dans ta carrière, mais ouais. tu as quand même un background intéressant dans d'autres sports, notamment au hockey, football un peu, puis en course automobile. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans l'un de ces nombreux sports-là que tu es capable d'emmener au baseball par la suite? Ben, C'est certain qu'en partant, tout ce qui est la gestion de match, euh, avec, je veux dire, j'ai eu... J'ai rentré 26 ans au hockey. Euh, on s'entend qu'au hockey, c'est pas mal plus rough qu'au baseball. Là. Je veux dire, oui, tu n'as pas le coach dans ta face qui vient te voir directement sur le terrain. Là. Il faut que tu ailles le voir au bas. Si tu ne veux pas aller le voir, ben, il te crie de, 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 de 70 pieds de loin. Là, là c'est lui qui est dans la cave. Mais. Euh... Sinon, euh, le, le, tout le, le côté de devoir désescalader des situations, de se rendre au banc puis de responsabiliser les, 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 euh, les entraîneurs face à leurs propres joueurs parce que c'est ça qu'il y a. Le, une, une des choses au hockey, c'est que le, le coach est directement sur le banc, donc il contrôle son banc en, en tout temps. Euh, euh, bonjour Tania. <laughs> puis, euh, c'est ça le. le c'est une chose que ça, ça a été quelque chose, par exemple, qui a été un petit peu dur pour moi quand j'ai commencé au baseball. C'est parce que j'étais tellement habitué d'en prendre puis de me faire crier des affaires puis de me dire des, des insultes. Le probablement à Tania aussi qui a habitué a... <laughs> au hockey un peu à <laughs> en... <laughs> C'est bon. Salut. Ça. <laughs> Mais euh, non, à un moment donné, c'est comme, euh, voilà, c'était fait. Crier des envies quand, quand je suis arrivé au baseball, tu hey, te fait dire telle affaire, telle affaire, telle affaire, comment ça se fait que tu l'as laissé arriver? Je suis comme, il m'a absolument rien dit, c'est rien. Là. Comme, il m'a à peine dit que je n'étais pas bon. c'est comme, ben ouais, mais c'est pas correct, tu peux pas te faire dire ça. J'avais tellement la mentalité du hockey où on se fait tellement chier dessus que j'arrive au baseball, je suis comme, ah ouais vas-y moins euh, moi de la, la boîte euh, je suis capable d'en apprendre mais en réalité j'aurais dû agir bien avant puis ça ça m'a pris quelques années à, à, à le comprendre aujourd'hui bien là je, je laisse plus aller euh, Une autre affaire c'est que quand je suis arrivé au football où ce que là c'était totalement diamétralement ah là, a rien opposé qui passe hockey. au hockey hein il n'y a rien qui passe au football là mais ben, c'est pas juste ça c'est qu'au football oui, effectivement, tu peux flaguer le banc quand même assez rapidement, mais tu sais, et, puis les joueurs, ils sont d'un respect, effectivement, le moindrement qu'il y a quelque chose qui est dit contre l'arbitre, tu as un flag et tu diverges. Mais le respect que les coachs ont, les joueurs aussi pour les arbitres, puis à chaque fois que tu te fais approcher par un joueur ou un coach, euh, excusez-moi, monsieur l'arbitre, peux-tu me poser une question? Bien sûr, évidemment, je, je t'écoute. Ça, ça faisait pour moi le vraiment, contraste avec le hockey. Donc, quand je suis arrivé au baseball, j'ai pu voir que, OK, c'est un entre-deux, c'est correct. Euh, c'est pas le hockey où le moindre moment que tu mets le pied sur la glace, tu n'as même pas fait un coup de sifflet encore, tu es un pourri, un vendu, un mangeur de merde. Puis de l'autre côté, l'arbitre où tu es, je dirais pas Dieu le Père, mais tu es, es quand même, es quand même une, une autorité très respectée sur le terrain. Euh, fait qu'au baseball, tu arrives. Puis on te donne une chance, ok? On te donne une chance de pouvoir commencer à faire tes cales, puis de, de te présenter, d'être en mesure de pouvoir installer ton respect. Une fois que, une fois que ça marche, ben, tu, tu es capable de gérer ta game. Mais si tu arrives là, puis tu es puis tu commences à te dire, hé hey, hey, là, hein, comment ça va? Ben, hein? Puis es, c'est toi qui, euh, qui gères comme si euh, tu avais tout vu, tu avais tout tout, puis que euh, c'est une gang de ta ben tu vas te faire virer de assez vite, puis là, c'est là, c'est une bonne, une bonne chose à apprendre. Puis c'est ça, ce que je pourrais dire, c'est que mes, mes années d'expérience dans tous les autres euh, domaines de, de, euh, pour officier dans d'autres sports m'ont surtout aidé pour ce qui est de la gestion du match, euh, mais aussi à comprendre tous les intangibles euh, les, par rapport à l'uniforme, euh, le, le non-verbal, comment tu te présentes... Euh, Juste la manière de faire tes signaux, euh, que tu le fasses. Moi, quand je m'excuse là, mais le, le safe, ou en tout cas le, le, le signal d'annulation, c'est peut-être pas un jeu bien ben bien ben, ben serré, mais je ne suis pas en train de faire je, Non, non, c'est safe. c'est comme, OK, j'ai de l'intérêt, je suis intéressé mais, dans le game. Je, je, veux je être t'appeler sur quelque chose qui a été dit, puis Tania officiellement, euh, bonsoir. Euh... Très heureux de t'avoir tu sais Je veux revenir sur la question de la gestion de match au hockey puis, Mon but c'est pas de pitcher des rushs au hockey Sport qui est pris Malgré lui Avec un folklore pas toujours le fun ouais. Mais c'est Trouvez-vous qu'au hockey c'est allé trop loin là, Justement que les, les insultes envers les, les officiels euh, Ils ont attendu peut-être un petit peu trop longtemps Avant de cette année puis Pendant trop longtemps c'est du bof ça fait partie de la game ben, je, je, je vais commencer, excuse-moi, Tania. je te laisse. Oh pas... Non, vas-y. Mais euh, tu sais, je veux dire, ça ressemble un peu à ce que euh, ça ressemble au baseball aux États-Unis. Parce que là, il y a carrément des fois des, des, des batailles de rue directement sur le terrain, puis il y a des jeunes de 17 ans qui sont obligés de faire des, des, des poursuites aux civils parce qu'ils se sont fait, il euh, euh, y a eu un assaut à, à leur endroit. Des... Chacun, chacun son sport national, Donc, je veux dire, il y a toujours le côté euh, émotif, le, le côté euh, tu es, es attaché à la personne qui, qui, qui est sur le terrain. Puis on dirait qu'il y a toujours une... On voit en tant que Canadien toujours plus de possibilités de pouvoir aller dans la Ligue nationale quand tu es dans le hockey. Puis au baseball aux États-Unis, bien oui, OK, ils ont plus de chances de se ramasser dans la MLB. On dirait qu'il y a toujours des parents voient toujours leur enfant comme le prochain euh, Mike Trout ou euh, euh, il y a toujours ce côté-là. Puis, ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a toujours le feuille clore. On voit très facilement ici au Canada, au Québec, les parents qui sont dans les estrades pendant une game de baseball, il y a juste comme s'ils étaient dans une game de hockey. Oui, c'est peut-être le hockey prend beaucoup de place. Puis, cette Tan de ton côté qui, qui a goûté un petit peu aux États-Unis dernièrement, euh, est-ce que, est que le fait d'avoir, euh, tu un background de hockey... A fait de toi une meilleure officielle jusqu'au niveau où est-ce que tu t'es rendu, autant au Québec qu'au camp pro là, en général? Euh, ben, moi, je trouve qu'au hockey, on a un peu plus, je pense, de lassitude. T'sais, on a l'avertissement, on a le deux minutes, ensuite on a l'expulsion. Au ouais. baseball, par exemple, ça va être la communication qu'on va devoir travailler euh, aussi. À force d'arbitrer dans une ligue, tu commences à connaître les coachs, les joueurs, tu crées une certaine, euh, un certain respect, un, un certain nom, puis tu sais euh, comment intervenir avec tel individu, mais tu n'interviendras peut-être pas comme ça avec un autre in individu sur le terrain. Euh, puis faire un peu de pouce sur ce que c'est bien dit tantôt. Euh, exemple, dans les niveaux où ce on est rendu, souvent les coachs, ils ont plusieurs années de baseball derrière eux, euh, ils savent de quoi ils parlent, c'est pas des niaiseux, ils connaissent la game, ils savent comment ça marche. Fait que tu peux pas essayer de leur s'en passer une vite. S'il y en a un qui vient te voir et t'as peut-être manqué un call, ben des fois tu peux lui dire oui, je l'ai manqué, excuse-moi. Puis il va beaucoup plus te respecter parce que tu vas y avoir dit ça que si tu essaies de le bullshitter. Mais je pense que la, la, la différence est tellement. Il y a tellement une grande différence entre le hockey et le baseball sur la gestion de match. Que je pense que c'est une nouvelle adaptation que j'ai eu à faire, surtout que j'étais quand même assez jeune. Je commençais à 13 ans au hockey, puis à 13 ans au baseball. Donc, euh, j'ai n'ai pas eu le temps de faire plusieurs années avant de, de commencer à faire de la gestion de match. Puis, j'avais pas une grosse expérience avant non plus. Mais, ouais. Puis, puis tu sais, euh, au baseball, souvent, ce, que, ce qui est enseigné un peu partout, c'est que tant que le, le commentaire demeure général ou at large, on va avoir beaucoup plus de tolérance. Par contre, quand ça devient personnel, euh, ou quand ça vient toucher l'intégrité, tout de suite, c'est que c'est le doigt sa gâchette. Mm -hmm. Je me rappelle, il y a quelques saisons, un coach m'a dit call de vendu mais ben, c'est une expulsion sans même me poser une question. Puis l'argumentaire du coach qui me dit Mais là, j'ai même pas crié, j'ai rien fait. C'est comme dire « Ben non, tu, tu viens de me dire que dans la vie, j'étais tellement corrompu que pour 22 et 50, j'étais prêt à mettre mon intégrité de côté. Tu » sais, Tu viens de me traiter de tâté, là. Tu sais, c'est un peu ça que tu viens de faire, dans le fond, là. Moi, quand ouais. là, la paix insulte qu'on peut me faire sur un terrain, c'est « maudit vendu ». Tu sais, parce que non, ça, là, touche à moi. Puis honnêtement, c'est pas juste... T'sais, vous me connaissez un peu, là, c'est pas juste « Ok, je t'expulse, là, c'est tu veux me faire tilter ou me faire péter un plomb sur un terrain te peut-être moi de vendu, c'est certain que ça fait un bon vidéo, là, après ça, là. Mm » -hmm. <laughs> Non, mais ça, ça, c'est par la bande, c'est indirect, mais en même temps, ça vient dire, exact. c'est pas une, pas une insulte directement à ton endroit, mais par la bande, il vient dire, ben, comme tu dis, t'es corrompu pis t'as aucune intégrité, puis je peux même pas respecter aucun de tes cales parce que je sais que tu étais dans le champ à tout, à tout bout de champ. Puis, pas parce que tu pas bon, parce que tu veux, parce que tu le fais intentionnellement. Wow, non, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout, là. Puis, Mais, euh, ouais. tu sais, pas en Floride, il nous montre un peu comment expulser quelqu'un, puis pour quelle raison expulser des, des entraîneurs ou des joueurs. Puis, la limite devient très claire. Euh, de la façon qu'il nous l'explique, il y a une liste des choses que c'est automatique. Euh, des choses qui sont vraiment pas tolérables, puis où est-ce que tu dois comme, trancher, puis il te le dit sur le terrain, puis il te l'explique, puis c'est clair, il n'y a pas de zone grise. Genre, il dit quelque chose envers toi, envers ta personne, c'est direct dehors. S'il fait un commentaire sur ton corps sans, sans rien de. Tu peux l'ignorer. Tu sais, puis c'était vraiment très bien expliqué, puis peut-être que j'essaierai d'en jaser avec Jeff pour peut-être amener ça ici euh, de la façon d'expliquer. Euh, l'expulsion pour justement que nos jeunes soient un peu plus à l'aise de se défendre parce que honnêtement c'était vraiment très bien expliqué là-bas puis euh, j'ai encore les, mes livres de règlement donc on pourra ressortir les points puis, puis faire quelque chose d'intéressant avec ça c'est sûr ça doit être du bonbon certainement parce que un autre que je présume – Exactement, celui-là. – Bien, il a fait toujours ça pour rejeter de nuit. Ah, – non, non, mais c'est même pas les miens. C'est ceux à C'est le stock à à ah. Je le garde pas loin pour être certain de ne pas l'oublier. Euh, quand je vais le croiser ou quoi que ce soit. Fait que c'est sur le, mon, mon bureau de côté, ici. Mais, mais c'est mettons, on, on oublie l'espace d'un instant, la règle 103-21, sur les sorties interdites aux arbitres, là. Puis, si on se concentre sur du baseball plus traditionnel. Est-ce que tu as remarqué, Tania, qu'il y avait une différence majeure entre ce que nous on enseigne de par l'expérience, comment on dit avec des situations au Québec, versus ce qui est enseigné de façon formelle dans le baseball professionnel. Euh, J'ai pas vu tant de différences que ça. Euh, juste que, tu sais, ici, je veux pas, on ne donne pas vraiment de formation sur comment euh, faire des expulsions. On va un peu plus au feeling, puis euh, chaque personne a comme sa ça... Pis tout, mais dans la MLB, puis dans les mineurs, ils essaient vraiment que euh, la tolérance soit la même pour tout le monde, pour pas que d'une game à une autre, euh, les coachs, ça soit différent. Donc, mais non, tu sais, comme les expulsions que j'ai faites au Québec, c'était pas mal les mêmes raisons qu'il y avait dans la liste qu'ils m'ont montré là-bas. Enfin, c'est pas mal sensiblement. On n'est pas dans, dans le champ, loin de là. -là. Euh, c'est juste peut-être la façon de l'amener pour peut-être avoir euh, un ensemble qui est plus euh, similaire parmi les arbitres pas que un, genre, aussitôt que tu dis une petite affaire, t'es parti, puis que l'autre, ben, tu peux y dire un char de merde, puis t'es pas expulsé encore, tu sais. Un peu comme des championnats provinciaux. Tu sais, des fois, t'arrives, mettons, vous avez vécu une coupe de provinciaux, là, puis on a fait une méchante gang, là, à tout le monde. T'as toujours, là, plusieurs types d'arbitres. T'en as un qui n'a jamais vu une feinte irrégulière de sa vie, c'est sûr qu'il n'en calera pas. Même si le lanceur se casse la gueule, se casse les dents sur sa plaque, il n'y aura pas de boc. Puis, tu un autre arbitre qui, fouillez-moi pourquoi, là, je ne sais pas qu ce qu'il veut prouver à qui, mais qui est sa gâchette à chaque bock. Il, il en laisse pas passer un. Puis là, tu as, as des entraîneurs qui, avec raison, sont pas contents parce qu'ils disent si on avait pogné l'arbitre de la game précédente qui avait rien calé, puis là ça vient d'avoir une incidence sur sa game. Fait que ça va être un peu la même chose au final en ce qui concerne euh, la gestion de partie. Puis les entraîneurs à un certain niveau de jeu, euh, ils savent où la limite puis ils la connaissent souvent même mieux que nous autres. Puis c'est que des fois c'est qu'ils veulent se faire expulser, tu les expulse pas Pis ils sont comme fâchés que tu les aies pas expulsé parce que t'es pas allé là où ils voulaient. Ça m'est arrivé une fois dans le junior de a j'avais les oreilles bouchées. Euh, il m'a dit plein de bêtises pour me faire réagir, j'ai rien entendu. C'est pas payé, mon partner, cette game-là, est allé, est allé pallier à mon handicap temporaire. Mais il a fallu que je m'excuse au coach après en disant « Excuse-moi, quand tu m'as insulté, je t'ai pas entendu. Euh, » J'avais l'oreille bouchée, je faisais une sinusite. Mais tu sais, je m'entends quand même super bien avec Charles Saint-Laurent. <laughs> On n'a pas nommé. <laughs> ah oui, Tan en passant, il me fait super bien. C'est parti. Il est de est il est, il est la bonne grandeur? Ouais, 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 Il est sharp. Ah, puis il se porte tu sais, bien en plus, là. <laughs> Mais tu sais, pour ça faire fait. du pouce là-dessus, euh, comment, euh, comment il se nomme le, 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 le coach des, du 3L, euh, Sébastien Latour? Euh... Latour, Lato, c'est ça. Ce gars-là, je lui ai dit l'année passée, euh, personnellement, que je le respectais au plus haut point parce qu'à chaque fois qu'il sort... Contre nous autres, ou pour nous pécher de la marde, mais en réalité, il nous pitié pas de la marde. Il, il arrive, il y a des arguments, il sait très bien qu'est-ce qu'il vient dire. Puis moi, depuis qu'il, à chaque fois qu'il vient, il me dit Oh, je... je vais apprendre quelque chose de nouveau <laughs> aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, il arrive, puis oui, il est dur, il vient de dire que tu viens de te planter, mais justement, j'ai moi, de la manière qu'il le dit, puis quand que je repense avec le temps, je dis tout ce qu'il veut, c'est que je m'améliore, puis il veut quasiment mon bien, il est quasiment un coach pour nous autres aussi, donc c'est comme d'abord, ok. Puis j'ai dit à moment donné pendant une game, je dis Hey Seb, si tu savais comment que je suis content de faire des games parce que je sais que je vais apprendre tout à game ouais, T'es pas là pour nous faire chier, t'es pas là pour nous envoyer de la merde, es là pour quasiment nous aider. C'est un gars qui a été bien formé comme arbitre, là, Sébastien Latour. Oui. Ouais, tout fait bien. Mais... Ça, mais en plus, qu'il était arbitre, fait qu il ne pas nous aider. Excuse, Stan. <laughs> <vraiment rire> bon je trouve que dans le 3A, il y a plusieurs coachs euh, qui ont quand même cette approche-là envers les, les, envers les arbitres. Euh, je sais que, bon, euh, Renaud Catelier, quand il coachait dans le junior, ce n'était pas le même coach, mais pas du tout. Mais dans le 3A, tu sais, moi, j'ai quand même une très bonne relation avec lui dans le 3A. Tu sais, si j'ai fait un mauvais call, entre les manches, il va venir sa à côté de moi, puis on va jaser ben peinard, puis ça paraîtra même pas. là. Mm -hmm. puis, tu sais, je vais lui dire, ouais, j'allais peut-être manquer, t'as raison, tu sais, comme. Tu sais, puis je, je suis capable de dire, puis je vais prendre tous les commentaires qu'il va m'amener parce qu'il fait comme vraiment relax, bien smooth. Il y a aussi euh, Christian Chénard à Québec. Euh, à un moment donné, je m'étais plantée sur un règlement midi 3 trois parce que, bon, euh, ça avait comme changé en plein milieu de saison, ce règlement-là, puis bon, c'était compliqué. Puis il m'avait dit, ah, fais juste aller le regarder entre les deux games, on s'en reparlera après. Puis, j'ai dit merci de me l'avoir dit. comme moi la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur-là. Puis, il m'avait apporté ça super calmement, super gentil. Tu c'est vraiment le fun de côtoyer ces coachs là dans trois, qui, tu sais, te font grandir aussi en tant qu'arbitre. Que... Dans la tu Tan, euh, la fois où j'avais sorti une photo au milieu d'un double à Renault, qui m'avait dit que je n'y absolument jamais contre les arbitres dans l'élite, pis, pis ça, là. <laughs> Faut que je retrouve la photo. Oui. Là. Je suis en train de la chercher actuellement. Là. Écoute, c'est d'un. J'ai une photo junior élite où est-ce que j'ai même pas rendu ma décision à l'athlète. Pis t'as Renault qui marche déjà vers moi. C est, c est... Pour rien, la photo est excellente. Je la cherche. là. Euh... Je, je suis dans mon Facebook. Là. Je suis à la naissance de ma fille. Là. Elle a 3 d'œufs. Ça un peu avant. Je ne vais pas être bien loin. Là. là, je suis au jeu du Québec cette année-là. Ça s'en vient. Je, je le sens, là. Et voilà. et est un peu petite, là. Euh... Attendez, je vais essayer de ça en plein écran. Là. Fait que, attendez un petit peu. Je vais faire peut-être ça à tout le monde. Ah oh my god, que c'est petit. Je ne sais pas, si je ne peux pas dire ça. Le 31 qu'on voit à l'arrière, ici, là, c'est Renault qui s'en vient vers moi. Je n'ai même pas rendu ma décision encore. Il est déjà en train de sortir. Je m'excuse pour le. Le, le, le petit fuck-up d'écran, c'est que ça a été un peu long à s'étoper cette affaire-là. Mais tu sais, je suis revenu avec en disant écoute, t'étais déjà sorti sur moi avant même que la décision soit rendue. Puis ce jeu-là, comme on voit ici, c'est même pas le receveur qui, qui tag au final, c'est que c'est le lanceur qui est venu couvrir la marbre avec un tag très haut. Puis au ralenti, c'est que le, le coureur a tenté d'éviter le tag. Là. Puis j'avais à la face le jeu, je l'ai bien vu. Puis tu sais, pauvre Renault, il est sorti avant même. Euh, tu que la décision à se rendre, là, fait que tu sais, on, on avait bien ri, puis on était revenu, mais la plupart de ces entraîneurs-là ont vieilli également avec le temps, là, fait qu'ils, ça se peut qu'un entraîneur ait eu certains comportements ou une certaine intensité qui était saut so -so à un certain moment dans sa carrière, mais au final, tu sais, ils, ils ont appris à travers tout ça, puis le, le Midget 3 devient une excellente école, tu sais, pour s'améliorer au niveau technique, mais l'approche pédagogique, ça... C'est plate puis c'est non de dire ça un peu, mais il faut peut-être frotter à des games seniors un peu pour avoir la queen plus dure puis être capable euh, d'aller chercher ton plein potentiel en tant qu'arbitre. Parce que dans le midget 3A, sans dire mm -hmm. qu'il ne se passe à rien et que c'est snowflake, ça demeure un réseau de développement qui est excellent pour la technique. Sauf qu'éventuellement, lorsque tu arrives au niveau senior, puis que des fois, il y a des messieurs qui peuvent se chicaner, ou que tu as d'autres joueurs dans l'équipe, puis il y en a 10 qui pensent qu'ils sont coachs, mais tu vas avoir une gestion qui va être totalement différente. Puis mm. qu'il y ait qu 10 joueurs qui pensent qu'ils sont coachs. C'est pas la fin du monde quand tu es capable de les, t'sais, de bien dealer avec eux, puis quand tu es capable, comment je dirais bien ça, tu sais, de, 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 de spotter, de spotter qui ton ami. Là. Tu sais, des alliés dans la gang. C'était si capable de dire, lui, si je parle, il va me comprendre. Puis il va peut-être être capable de raisonner euh, d'autres personnes. Là. Ouais, ça, d'aller chercher des alliés. D'aller chercher des, des outils. C'est <laughs> ça. Tam, euh, t'as parlé de gestion de match. Puis tu es toujours dans un but d'être euh, plus meilleur. Euh, comment, euh, On sait qu'il y a des changements, qu'il y a toujours des changements techniques dans le baseball. Euh, qu'est-ce que tu as, qu que as appris, qu'est-ce que tu as vu du côté de la Floride que demain matin, on serait capable de le ramener ici, euh, ici au Québec dans nos formations dans notre arbitrage? Euh, ben, honnêtement, un des points qui nous ont amené vraiment beaucoup, c'est de connaître nos règlements. Euh, Là-bas, sont vraiment très stricts là-dessus. De connaître nos règlements, ça va nous sauver de la merde. Puis, d'utiliser les termes, excusez, mon chat me tape ses mains. Ben, ben, ben je suis même surpris que rien ne soit pas venu me gosser encore. Là. Excusez, elle <laughs> grattait dans la porte, puis je n'étais plus capable. Ben, écoute, j'ai envie de le pichet comme ça pendant deux heures la semaine passée. <rire> 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 Mais c'est parce que j'ai été chercher un nouveau chat aujourd'hui. On a adopté un nouveau chat, puis faut il faut qu'il reste dans cette chambre-ci, mais l'autre, elle veut rentrer, fait que... Bon. Mais c'est ça. Donc, de connaître son livre de règlement, d'utiliser les termes qui sont dans le livre de règlement pour expliquer les, les situations qui arrivent. De ne pas essayer d'aller chercher d'autres termes, parce que c'est là que tu vas commencer à, comme, te mêler dans tes affaires. Puis, il y avait comme trois points importants. Il y a comme trois étapes dans... Euh, quand tu reçois un commentaire d'un coach, d'un joueur, tu peux soit l'ignorer, juste vraiment pas le regarder, faire comme... Il a fait un commentaire, ça va pas plus loin, OK. Ça, que tu, ben en anglais, c'est acknowledge. Fait que okay. tu vas le regarder. faire comme, c'est beau, j'ai compris. Une réponse non verbale, finalement. Oui, c'est ça. Tu tu le regardes, OK, c'est beau. T'sais. Il faut comprendre que tu as, as compris, tu as ouais. entendu. Puis après ça, c'est de répondre. En fait, il y a cinq étapes. <laughs> ouais, c'est de les, répondre. C'est l'avertissement. Ignore, acknowledge, warn, eject. Exactement. Ouais, c'est ouais, Avertissement formel aussi là-dedans. Là ouais Puis, tu sais, t'es pas, pas obligé genre de faire étape par étape. s'il si t'envoie chier, puis qu'il te dit, genre, t'es juste une crise de grosse conne, tu vas passer directement à l'expulsion. Tu, tu vas pas lui dire, genre, <laughs> t'sais, non, t'sais, t'sais, <laughs> tu vas en le mettre dehors. Tu sais, c'est vraiment de. ton jaune. <laughs> Deux minutes. Deux minutes. À ouais, à ouais, à ouais. <laughs> ouais. puis tu sais C'était vraiment très bien expliqué. Euh, ils ont vraiment mis clair euh, qu'est-ce qui était une expulsion automatique. Euh, de faire la différence aussi entre euh, un joueur qui lance son casque sur le sol parce qu'il est fâché contre sa performance, plutôt qu'un joueur qui va lancer son casque vers le sol puis qui va te regarder après parce qu'il n'est pas content de ta troisième prise sur décision. Euh, tu sais, vraiment, toutes des petites choses comme ça. Puis, sur le terrain, quand on faisait des, des games simulés, il, des fois, ils venaient nous challenger. Ils sortaient, puis ils venaient nous challenger. Puis, tu avais raison, puis ils sortaient quand même. Là. Moi, il me dit il y a, un il y a eu une obstruction ou deux. Il n'y a jamais eu d'obstruction. là C'était même pas prévu qu'il y ait une obstruction. tu sais là, je comme, non, il n'y en a pas. Ouais, il y a eu une obstruction. Mais non, il n'y en a pas. Puis là, tu sais, on échange comme deux, trois fois ça. Puis là, j'ai dit, check. Tu me, je t'ai écouté, je comprends ton point, sauf que je t'ai expliqué qu'il n'y a pas d'obstruction, ça va rester comme ça. Là, on va finir ça là, puis tu vas retourner à fond. Puis pendant que je suis en train de dire on, ça va arrêter là, il garoche la casquette en terre. Fait que bon, ouais, ça. Wow. Bah, bye tu sais. <laughs> Vous d'or. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment, euh, pour vrai, la liste, je la ressortirai, là, mais elle est très claire, elle est bien définie. Euh, puis c'est vraiment d'être capable d'expliquer. Euh, les raisons qu'on a fait de notre call, ça, c'est vraiment primordial aussi. Puis, mais ben ça, 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 ça c'est hot. Puis, officiellement, il faut qu'on s'en parle. Puis, même, euh, je sais pas dans combien de semaines, mais éventuellement, on a un show du PDA qui est dédié à la gestion de match. Puis, euh, tu sais, je veux comme organiser une espèce de panel d'experts, là, où, tu sais, avec trois, quatre personnes en ligne. Puis, OK, le coach te dit, tu es un jambon. Qu'est-ce que tu fais? plein ah, moi, je l'expulse. Ah, moi, c'est que je me scanne solide. Bon c'est ça, fait que. C'est ça ça dépend, c'est dans le coin de parc, c'est comme une qualité fait que tu lui dis merci, <laughs> sauf que c'est en juillet un jambon extraordinaire grave, fait que non, c'est ça, il faut, euh, faut faut doser puis faut être conscient du moment dans l'année Mais c'est au-delà de tout ça faire une espèce de, de de capsule en ligne là-dessus qui s'adresse euh, tu aux gens qui nous écoutent. Puis c'est le fun que vous voyez ça dans le pro, mais tu je ramène ça au Québec à un certain niveau, oui, on est capable de l'amener. Puis, tu même au niveau de l'excellence, au niveau des championnats provinciaux, on est capable d'avoir ces guidelines-là. Mais je me réfère euh, au baseball associatif, où est-ce qu'on a est des arbitres plus jeunes qui, au niveau ouais. de leur développement comme individu, n'ont pas le bagage de vie et l'expérience pour être capable de checker en même temps le contexte, euh, la gradation mm -hmm. et tout et tout. Fait que ça, ça prend des années à acquérir ces. C'est ces réflexes-là. puis Je euh, suis pas mal sûr qu'au niveau professionnel, tu le vois aussi tant, tu sais, comme un moment donné, t'as pas, euh, pas 40 secondes pour réagir. T'en as trois, puis si as manqué ta fenêtre de 3 secondes, mais il est trop coup tard, là, tu l'as manqué, puis tu vas le savoir pour la prochaine fois. puis Essaie, s'il te plaît, de pas répéter l'erreur 8 fois. Là. Je, je me fais de la promo pour le PDA là-dessus. C'est qu'au PDA, quand on a un arbitre qui fait qu'il l'échappe de même, mais c'est qu'on ne le chicane pas nécessairement. On essaie de voir une opportunité d'amélioration. Oui, c'est sûr. Puis euh, je pense que euh, dans le mineur, le, le règlement du coach qui n'a pas le droit de sortir, il faut caresser parce qu'il faut protéger les arbitres aussi de ce côté-là. Euh, plus on monte, tu sais, dans le 2A, ça commence à, à être un peu plus intéressant comme game, à pouvoir en faire un peu plus de gestion de match. Mais c'est sûr que dans le simple lettre, euh, faut protéger les arbitres, puis ils ont pas ils ont assez plein d'autres choses à gérer puis à penser qu'on peut pas commencer à leur apprendre ça non plus puis à, à leur dire comme « Ah, oh, en plus de tes balles, tes prises, tes safes, tes puis tous tes règlements, ben il va falloir que tu gères tout le monde. Euh, » Ça fait quand même beaucoup pour un jeune de 13-14 ans qui commence, fait que c'est un, un bon règlement pour ça. Ben ouais, puis tu sais, je me vois, tu sais, comme la semaine passée que je disais ça, je n'ai dit bien des affaires, là, mais je me vois arriver au IGA, moi, puis engueuler le commis parce qu'il a mal emballé ma commande, là. T'sais, t'sais parce que tu mets tes yeux en dessous de ton lait. Hein? Ben, à peu près, <laughs> là, t'sais, tu sais, j'aurais-tu de la cave pas à peu près, mais pourquoi tu as de la cave au IGA tu as de l'intelligence sur un terrain de balle? Il me semble, semble que ça ne marche pas pendant là, comme, comme raisonnement. Mais ça, au niveau de euh, la liste, je euh, j'étais bien ben, ben, curieux de voir ça. et tu dans le livre? Oui, et dans euh, le manuel euh, cool, parce Celui qui qu a une un barre noire là. Oui, puis moi j'avais l'ancienne version, celle du PiBot. Page 145 me semble. OK, ça ça Ici, C'est celle-là. Ça vient me rentrer ça dans la tête, Jeanne <laughs> elle m'a dit 145, page 145, j'étais comme OK, 145. <laughs> Ça, c'est comme Martin Gravel. Tu demandes une question de règlement, tu sors le numéro et tu le cites par cœur. Mais c'est l'ancien numéro. La vieille codification, ouais, c'est ça. Ouais. <laughs> Là, tu essaies de dire Marge, j'essaie de l'oublier et de passer à d'autres choses. Puis non, euh, mais on le sait. <laughs> ça donne un autre qui a commencé au siècle dernier, ça. Fait que gestion de match, là, c'est qu'on s'en reparle, il y a de quoi d'intéressant là-dessus. Mais oh, au-delà oui, au de la gestion de match au niveau technique, c'est bon, le, le, le fameux pick-off, là, ça, je suis content, on m'a dit, avoir appris ça, là, à l'histoire du pick-off, ça, il y a quelques années, mettons, il a 10 ans. On disait aux arbitres, c'est un pick-off en trois mouvements. Fait que là, c'est que tu avances le pied gauche, tu tournes le pied de droit, puis tu fais un read step avec le pied gauche. Mettons que tu un lanceur qui fait un pick-off de routine. Si c'est un droitier, tu as le temps, puis c'est beau. Mais là, tu arrives avec un gaucher là, qui dégaine. là. Euh, « Oublie ça, là. Fuck off, là. T'as pas le temps, là. » Fait que là, à un moment donné, c'est que Dom Guérard, qui a fait l'école-prouve il y a plusieurs années, arrive en revenant, puis un peu sur le même ton que toi, Tania, quand tu me l'as appris, en disant « Hey, le troisième pas, oubliez ça, c'est fini, on le prend deux pas maintenant. » Fait que c'est comme « Yes! » ça c'est réglé, puis toi, t'arrives, c'est fini, là. Spin, puis rendons c'est Fait que c'est le genre de nouveauté qui est intéressant, puis qu'il qui faut, euh, qui faut mettre en application au Québec, mais... Oui, il y a des nouveautés techniques, mais quel genre de, de drill, quel genre de pratique que tu as vécu là-bas qu'on serait capable d'importer au Québec assez facilement ou avec un petit peu d'effort, en tout cas? Euh, c'est sûr, pour des régions qui ont euh, des, des formations pratiques d'arbitre avec un moins grand volume d'arbitre, c'est peut-être un peu plus difficile, à moins qu'on commence à, à peut-être euh, incorporer peut-être une pratique d'équipe avec le, le stage d'arbitre en même temps, si c'est faisable, parce que les, les matchs simulés, je pense que c'est la meilleure pratique, c'est des répétitions, c'est de lire le jeu, c'est vraiment... Puis tu des superviseurs sur le côté du terrain pour corriger Live on the spot après, c'est frais dans ta mémoire. Sinon, t'sais, les premières journées, c'est sûr qu'on a fait des petits drills comme euh, un arbitre au first, un arbitre au marbre, euh, ballon d'endroit, droite, l'arbitre du début qui sort, puis là on fait la rotation, ça, si on l'a pratiqué. Sinon, on a pratiqué les footwork. Euh, première journée, on a pratiqué les footwork sur les pick-offs, sur les doubles jeux, euh, sur les vols de but on les a pratiqués beaucoup aussi en première journée mais le restant de la c'était que des games simulés. Fait que si on n'a pas un assez grand nombre d'arbitres pour mettre des arbitres à toutes les positions ben c'est peut-être de voir si on peut incorporer une équipe qui viendrait comme prendre des roulants puis faire des relais puis pour nous autres pour faire les jeux mais c'est comme ça qu'ils montrent là bas puis... Moi, je, ouais, je l'ai vécu ça une fois au Québec, juste une fois euh, dans l'anneau d'hier. Ils ont fait ça il voilà une couple d'années. Puis, tu sais, on avait beaucoup de formateurs qui étaient présents, puis on voulait tous vivre l'expérience, fait qu'il manquait pas de staff. Peut-être qu'on avait un petit peu trop d'arbitres qui étaient là, fait que les rotations devenaient longues. Puis, tu sais, on allait dans le champ extérieur. Là. Moi, j'ai pas vécu la simulation parce que j'étais responsable des réactions à plate dans le champ. Euh, tu sais, l'ABC nous a offert d'aller dans leur pratique, mais il est arrivé, euh, comment qu'on appelle ça, Omicron. Euh, mmh. Fait qu'on n'a pas pu, euh, finalement, c'est tomber à l'eau, mais tu sais, je suis pas mal sûr que, tu sais, j'étais à un email près de rejoindre Jason à l'ABC, puis, puis que ça se fasse. C'est juste que autres, c'est Joe. Fait que là, à un moment donné, c'est que ça devient compliqué, mais si, mmh. si chaque fois que quelque chose est compliqué, si on le fait pas, mais on, on, on est mal barré. Oh, fait mmh. fait qu'on peut aller de ce côté-là. Puis, mettons, quand vous êtes dans les cages. Euh, Là-bas, quel genre de feedback, parce que vous faites beaucoup de cages, quel genre de feedback, tu sais, dans, dans les articles que j'ai écrits, dans nos conversations, ils t'ont parlé de ta position à plate, puis je pense que même au Québec, des fois, tu t'es fait dire une chose, puis son contraire, quant à sa position à plate. Que, comment tu te sens mieux outillé maintenant comme arbitre avec tout le feedback que tu as reçu là-bas? Euh, ben c'est sûr que euh, même, même là-bas, euh, différents superviseurs me disaient différentes choses. Euh, ça me fâché sur le coup parce que j'étais comme, ok, mais c'est parce que hier, je le faisais de même. Là, aujourd'hui, je le fais plus de même parce qu'on me dit de ne pas faire de même. Puis là, il faut que je le refasse de même. C'était comme un peu contradictoire, mais euh, tant que tu es confortable, sécuritaire, stable, euh, ils vont être bien à l'aise avec ta position au marge. C'est sûr qu'eux, ils ne veulent, le, le, veulent pas que tu sois square. Ils veulent que tu sois... Euh, c'est plus heel tout Moi, ouais, c'est moitié. C'est genre pied, milieu ouais. de ouais. pied, là. Oui. c'est milieu de pied à peu près. C'est plus confortable, tu es comme moins euh, écarté un peu. Puis ils vont regarder le, le tracking des yeux. Il ne faut pas que tu suives la balle avec ta tête, il faut que tu suives la balle avec tes yeux seulement. Ça, ça ils trouvent ça super important. Euh, que tu sois stable quand la balle elle, arrive, que tu ne sois pas en train de monter ou descendre. Il y en a qui ont comme tendance à bander un peu quand ils se placent. Euh, ça, ils checkaient ça beaucoup. Puis euh, vers la fin, euh, les dernières journées de cage, ils checkaient même la zone de prise. Là. Ils commençaient à checker euh, tes coins, genre où est-ce que tu collais, tout ça. C'était des lance-balles. fait que c'est plus rare qu'ils l'échappent, le lance-balles, mais des fois, elle glisse un peu puis elle va un peu sur le coin. Puis eux, ils ont les. les... C'est comme des... un tracking c'est des lasers qui pointent vers en haut puis connecté sur l'ordi, puis ça peut te dire si c'est une balle ou une prise, euh, selon ils ont, ils ont seté une hauteur comme générale un peu de grandeur moyenne, que moi je rentrais pas dedans, là, ça me passait aux épaules puis ça calait une prise, mais je suis petite, <laughs> mais c'est ça tu sais, il y a comme les deux euh, deux coins où que, si ça passe là, ça, ça flash rouge c'est une, 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 une balle puis sinon c ça vrai, va ça. flasher vert si c'est une prise c'est mm -hmm. vraiment un système qui est incroyable que Évidemment, bon, on n'a probablement pas les fonds au Québec pour, pour se griller de ça euh, tout de suite. Mais euh, il parlait aussi que dans certaines. quand ils vont faire les, les voyons les Training Camps bientôt. les Training, bon. Okay, ouais. <laughs> ouais, quand ils vont faire ça, ils mettent des oreillettes. Euh, sur le terrain aux arbitres pour pouvoir donner du feedback live directement d'un spot parce que c'est le temps de le faire parce que c'est un sprint training et pour les arbitres et pour les joueurs. Donc euh, ils, ont, ils vont utiliser cette technologie-là euh, technologie aussi. Euh, en cage, c'est ça, la hauteur de ta tête, si tu es vraiment bien dans la slot, euh, tout ce qui est sécurité, ton positionnement de pied, ton dos si tu es comme trop droit, trop penché, ils vont vraiment... Tout regarder de A à Z, ta position au marbre, puis vraiment comment tu track la balle jusque dans le mid. Ton timing, timing, ta voix. Parce que moi, euh, mon ton de voix sur mes prises était trop aigu. Fait on a comme essayé de trouver une façon que je puisse dire mon call sans que ma voix quand un peu trop aigu. Fait que ils portent vraiment attention à tout. Puis, comment ils ont réglé ça, Est ce qu'ils ont été en te faisant coller des steaks, par exemple? Ou euh... <laughs> ben, euh... Je me, je me souviens que Nestor, lui, il m'avait dit qu'il avait un peu le même problème. Lui, il colle « hike » au lieu de « strike ». Ça fait que ça sonne un peu moins, moins aigu. Euh, Jen, elle m'a dit juste d'essayer de le, de, de le coller comme « pas fort », comme « strike »,« strike », puis comme d'essayer de monter un peu plus haut. Euh, tu sais, chaque, chaque superviseur m'ont apporté un peu des trucs pour m'aider à essayer de trouver la façon. Puis mes partners ont été vraiment géniales aussi parce qu'on était divisé en « en crew ». Puis, tu sais, comme Jen, elle nous a dit euh, dans la première journée, elle était comme, ah, euh, tu sais, aidez-vous entre vous, tu sais, comme là, on vous donne des petits points à corriger tout le monde. Là, vous savez qu'est-ce que les autres ont à corriger. Mais aidez-vous entre vous, tu sais, euh, regardez-vous. Des fois, le superviseur, il voit pas tout parce qu'il y, y a beaucoup de choses à, à voir. Puis moi, l'arbitre qui était au, comme catcher, souvent, il me disait, ah, oh, euh, ta voix était bonne là-dessus, c'est bon. Ah, oh, attention, ça breakait un peu. Tu sais, comme les gars, ils m'aidaient à, comme, des fois, tu t'entends pas aussi bien que les autres, mmh. fait il me disait ah oh, ouais non ça c'était bon, on continue comme ça, c'est tu sais, comme on s'entraînait beaucoup, on avait une super belle chimie, c'était vraiment le fun, fait que ça aussi c'est, je pense c'est une clé genre de, de faire des crews, de former des groupes pour souder le monde puis qu'ils s'entraident entre eux autres, avec ils ont chacun leurs forces leurs faiblesses, on avait un gars super fort en réglementation, tu sais, on avait toutes nos forces nos faiblesses, c'était vraiment le fun. Mais ça, c'est le c'est ouais, ça, la, la, la rétroaction de ses pères, hein, des fois, ouais. on dirait que ça, ça, ça rentre plus que les superviseurs, des fois. <laughs> c'est bizarre, là, mais parce que oui, ils sont dans le même bain que nous autres. Puis ils, disent, oh, ouais. ils vivent la même réalité. c'est comme, OK, on veut s'aider, on veut. Mais oui. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est super, c'est fun. Puis, tu sais, au niveau de la position à plate, euh, tu sais, comment. Euh... Tu sais, moi, j'aime beaucoup que tu parles de, de la sécurité. Oh, attendez un petit peu, il faut que. C'est ma fille qui me texte fait que ça sonne dans mes oreilles ça euh... <laughs> euh, oui, <laughs> sonne dans les miennes aussi. Oui, c'est ça ça sonne dans nos oreilles aussi. Exactement. Fait que euh, moi il disait que non, au père m'a donné le lien Zoom qu'elle se connecte là. <laughs> Mais, non, elle, elle veut me parler de son chat, j'ai des problèmes de chat moi aussi ici, si, euh, j'ai un, un nouveau chat moi aussi depuis une semaine puis elle s'ennuie. Mais ça. moi j'ai vraiment un gros problème mon chat, il s'est couché dans sa litière. Puis il est resté là depuis le début que j'étais arrivé, fait que je trouve ça un peu bizarre comme comportement, mais il vient d'arriver. Que... Ouais, ma, ma fille, elle se fout de moi. En fait, chez, chez mamie, ma pendant deux jours, là, elle se fout totalement de moi, mais là, s'ennuie de son chat. Là, là. <laughs> ça, c'est du grand Frédéric, là Frédéric. Euh, mais c'est ça, là, avant, avant que ça bosse dans vos oreilles, là, Fred, elle s'excuse. Euh, <laughs> on parlait de la position. Quand tu es allé au camp, il y a deux ans, là-bas, c'est que la position de base qui est enseignée, c'est le « là » qui est sur la ceinture. Maintenant. Puis en fait, c'est pas tant un lock que juste une stabilité, en fait. Mm -hmm. C'est ça, maintenant, euh, honnêtement, j'ai vu du monde les deux mains ses genoux, j'ai vu du monde, les bras bien droits en arrière des jambes. Il, il y avait une meilleure lassitude sur comment tu veux placer tes mains pour être confortable. En autant que tu étais locké et que tu ne bougeais pas, eux, ça leur convenait. Moi, là. Il y a certains superviseurs qui étaient encore vraiment plus stricts sur le lock, qui venaient me revoir souvent, qui étaient comme, non, mets-toi en lock. Là, je comme, OK. Puis là, je le faisais pour leur plaire. Puis après ça, je leur changeais parce que dans les cages, ils ne me le disaient pas. Fait que Ça dépend vraiment du monde que tu pognes, mais ils sont un peu plus lousses. Peut-être, vous avez commencé trop tard, mais moi quand j'ai commencé, il y avait la position à plate, la fameuse position baseball québec, là, avec la main euh, à l'intérieur de la cuisse, puis euh, hyper pas confortable, là, que j'ai toujours détesté, puis tout le monde pâtait, puis on n'est plus là maintenant. Puis, même la position de main sur les genoux, c'est Jerry Davis, c'est la position de Jerry Davis, en fait, je ne sais pas comment ils l'appelle là-bas. Mais là. ben, moi, depuis que j'étais arrivé dans un championnat canadien, on me l'a enseigné. Puis on m'a dit, euh, tu sais, euh, au niveau du log, je me cherchais un peu, puis on me écoute, à la grandeur que t'as, plante-toi deux mains, ses genoux en arrière, puis attends. Évidemment, mmh. les mains sur le côté un peu pour que ça fasse moins mal s'il arrive de quoi. Là. Mais ça, c'est peut-être l'avantage des arbitres qui sont un peu plus grands physiquement. Tu sais, moi, j'arrive en train d'un catcher, je me plante là, puis on n'en parle plus. Là c'est bien, bien rare qu'un catcher va venir me, me faire de l'ombre de ce côté-là, mais toi, de ton côté, tu as travaillé davantage au niveau de ton dos, au niveau de tes jambes, au niveau de, de l'écart entre les deux jambes. Est-ce qu'il enseigne euh, systématiquement d'être à peu près un pied à côté du receveur d'un côté, puis d'avoir la deuxième jambe dans le milieu des pattes du catcher, ou c'est différent? Euh, oui, c'est ça. Le pied en arrière du catcher, ça, ça reste. Euh, il te demande d'être quand même assez large. Moi, la première journée, il me dit, genre, élargi. Je comme... Bon, c'est Parce que la grandeur que j'ai, moi, je me penche plus là, si j'élargis encore. Là, fait que, là, je l'ai faite pour leur faire plaisir, parce que tu ne veux pas comme, commencer à t'obstiner, faire comme Mais non, mais c'est parce que je mesure 5 pieds 3, ça fait pas de sens. T'sais. Toi, tu en mesures peut-être 6, mais pas moi. Je l'ai faite, puis après ça, on a changé de cage, puis je suis tombée sur Nestor, qui n'est pas très grand, ce n'est pas un très grand arbitre, il est peut-être. Euh... 5 pieds 5, 5 pieds 6 là, c'est pas pas très énorme ouais, non plus là, il n'est pas super grand là. Fait que tu sais, il me comprenait puis là il me corrigeait ça un peu, il me dit oh, comme ça tu sais, sûrement encore assez large pour que l'autre bord il soit satisfait. Mais est-ce que tu te sens plus confortable Fait que tu sais, il me rétrécit un peu, puis le lendemain ils m'ont pas dit d'élargir. Fait que c'était quand même possible mais euh, les gars ils étaient quand même larges. Ils veulent que tu sois quand même assez large, j'étais quand même surprise mais pour le stabiliser. que tu sois stable. Ouais, ok. Oui, euh, tu sais, comme une. un peu plus large que les épaules, puis des fois, il demandait à certains d'être encore plus large. Ah, fait à ce point-là, ok. Oui, oh, à ce point-là, je sais quand même. Et ça mon... peut pas euh, être un petit peu difficile pour le, le déplacement. Pour presque. te relever, oui. Ouais. Même ça. la porte tournante quand que quand un ouais. ben, c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre, mais tu peut-être que certains arbitres, qu'ils étaient moins stables, fait qu'ils demandaient d'être un peu plus large pour être plus stable. Est à faire un pas de plus quand il faut que tu te déplaces. Mais c'est C'est plus large que les épaules, ça, c'est sûr. Oui, puis je suis pas surpris d'entendre ça parce que tu regardes, mettons, des arbitres dans les ligues mineures, sans vidéo, quoi que ce soit, sont tous très larges, les mains sur les genoux, euh, en arrière du marbre. Certains vont cacher les mains en arrière. Mais c'est quelque chose qu'ils vont chercher beaucoup pour travailler un peu plus dans l'enclave, la le fameuse slot. Sauf que tu sais, qui, qui insiste autant. je pensais que c'était juste une habitude qu'ils avait développée, mais que ce pas quelque chose d'enseignant à la base. C'est euh, Sans dire que je suis surpris d'entendre ça, c'est quelque chose qui qui est, qui est bon à savoir. Au, au niveau du travail sur les bleus, on a parlé du pick-off tantôt. Pour, pour le reste, y a-t-il quelque chose que tu es arrivé là-bas et que tu as dit Ok, wow, il y en a cinq ça de même Une surprise totale. Euh, pas vraiment. Je pense que c'était plus vraiment des petites technicalités comme sur les fausses balles. Euh... Je me souviens pas, euh, comme moi, quand j'ai commencé, on po ne pointait pas. T'sais, on faisait juste quand les fausses balles, on pointait pas après pour pointer qu'était était fausse balle. Mais eux, c'est fausse balle. Puis après, tu pointes vers l'extérieur. Fait que là, j'étais comme Ah, je me souviens pas qu'on fasse ça de même au Québec, mais OK, c'est correct, je vais pointer. S'il si, si, s'agit ouais. juste de pointer, je vais le faire. Ouais, c'est qu'on ne l'enseigne pas au niveau 1 et 2 parce qu'on se amassé avec des arbitres de tennis qui faisaient juste pointer. <laughs> ah, c'est ouais. ça, fait qu'on euh... on, l'avait euh, on, on va garder ça simple, là, mais entièrement raison, c'est quelque chose qu'on a peut-être botché un peu de notre côté. Hein. <laughs> Sinon, il euh, y, y a une question que j'avais posée à Adam. Pis, euh, exemple, un coureur au 3, un, une balle frappée sa ligne dans le champ euh, du premier but, genre un fly ball dans, dans le champ sa sur, sur ligne du premier. Euh, on avait tendance, nous, à comme, prendre l'extension de la ligne du premier but. Mais eux, ils vont vraiment avancer un peu sur la ligne, parce que pour eux, le premier jeu, le jeu le plus important, c'est pas le toucher au trois, c'est vraiment le fair fall catch no catch. Enfin, qu'ils vont prendre quelques pas sur la ligne, puis aussitôt que la balle va être attrapée, ils vont tourner la tête pour voir le tag. Puis encore là, ils vont tourner la tête parce que. Ils veulent pas comme perdre cette distance-là pour aller chercher le jeu qui est premièrement plus important que le taf. Ça, je suis content d'entendre ça. Tu n'as pas idée comment ça me fait plaisir parce que je suis de cette école-là, moi aussi. Là, que va au plus important. Les, les chances que. Surtout si le ballon est loin, c'est que le ballon sacrifice, c'est souvent une promenade dans le parc. Là. fait qu'il risque pas d'avoir grand-chose, d'y aller en fonction des. c'est pas des priorités, mais des chances. là, des... Euh... Bon, les odds en anglais, là, habitude. Ouais. Si... probabilités. Probabilités, merci, capitaine. Je pense que Simon est pas là, sinon je l'aurais vu à la gueule, celle-là. Euh... <laughs> <laughs> mais là-dessus, fait Puis même euh, Mick Boulian, quand il est revenu, il y a une coupe d'année. C'est une des choses qu'il avait mentionnées également. Avance, tu t'attends, t'attendras que la l'athlète après. Puis là, l'argument, c'est que ouais, mais là, s'il y a un relais, tu vas avoir la balle dans le dos. Ben bouge là, bouge mon ami. <laughs> T'as pas planté temps, là, là. <laughs> là rends-toi pas au premier but non plus là. Non, non, c'est ça, c'est quelques pas sur la ligne. C'est pas genre va à mi-chemin sa ligne du premier but. Mais euh, sinon, euh, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement euh, pratiqué beaucoup comme footwork, qui est peut-être intéressant à voir. Euh, exemple, un, une balle frappée mollement euh, au joueur de troisième but. Qui va comme charger ou même le joueur d'Arico qui va charger. Des fois, quand tu fais ton pas et que tu tournes avec lui, tu te ramasses comme dans sa ligne de. Quand, surtout quand tu es, es à P4, là, en fait. Oui, ben c'est ça. C'est quand tu es à P4, tu te retrouves un peu dans sa ligne de, 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 de lancer ben de relais pour le premier but. Puis c'est ça, ils nous ont comme montré. Si tu vois que le, charge, le gars il charge tout de suite, fais pas ton pas vers un avant. Décris tout de suite vers le premier but. Parce que c'est sûr qu'en faisant ton pas vers en avant, là, tu vas tomber dans sa ligne. Voilà. Choisis ton côté, puis vas-y directement, fais pas ton pas. Fait qu'au niveau de l'angle, pour orienter les gens, tu, dans le fond, tu courrais en direction du joueur de deuxième but. À peu près. Genre, okay. ouais. Mais, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, là, t'es comme à P4, puis, tu sais, moi, visuellement, je me vois le faire sur le terrain, là, ça fait du sens pour moi. Mais c'est ça, comme. Si tu vois que le joueur va être plus en arrière de toi, bien là, tu fais ton pas, tu tournes, puis tu vas être comme bien placé. Mais s'il est pour être en avant de toi, si tu fais un pas par en avant, tu vas être dans son chemin. Fait que tu fais juste déjà commencer à te diriger vers le premier but en reculant un peu, en te prenant un certain angle pour ne pas être dans le chemin, au lieu de faire un pas qui va te mettre dans une mauvaise position, tu sais. Bon, ça, tu vises le cut-off en t'en allant vers le, le, le joueur de deuxième but, justement, puis tout de suite, en faisant ouais. ça, ben, tu t'enlèves du chemin, là, automatiquement. Tu t'enlèves du chemin, là, tu puis que, tu restes dans ta langue, zone de travail là, aussi. Prendre... Eux, ils utilisent beaucoup, beaucoup la zone de travail. Il euh, y, y avait comme un peu une, deux différentes mentalités au Québec. Là-dessus, il y, y a certains superviseurs qui étaient comme « Ah oh non, on va chercher le plus de distance possible. Euh, tu sais, euh, rapproche-toi des jeux. » Puis eux, non. Euh, honnêtement, euh, si, si tu as deux coureurs, rapproche-toi de aucun jeu, tu vas le prendre à distance. Si tu as juste un coureur, là, oui, va chercher le jeu. Mais si tu as plus qu'un coureur, si tu te compromets trop, puis qu'il y a un deuxième jeu, tu es dans le trouble, fait que tu restes dans ta zone de travail. Euh, eux, ils, ils jouent beaucoup avec la zone de travail, puis la vitesse d'un jeu dans ces calibres-là est tellement rapide que tu pas le temps, là. T'sais. Ils vont faire avec ton corps, tu vas prendre l'angle à distance, puis c'est tout, là. T'sais. Fait qu'ils travaillent beaucoup avec la zone de travail, ça. Moi, ah, puis ouais. la, la zone de travail, nous, au Québec, on avait tendance à l'appeler ciel avant. Là. Ouais. <laughs> un peu, là. Pis c'était comme vraiment un arc-en-ciel. Mais dans le fond, c'est que c'est un, un rectangle. C'est un, un rectangle. Tu ouais. peux jouer ses coins. Là. Ça se peut que dans une situation, tu sois plus dans le fond de, de ta boîte, tandis que dans un autre, tu vas être plus avancé. Mais c'est quelque chose qu'au qu programme d'excellence. Hey, tu ne vas pas enseigner ça à un niveau 2, là, il va se piner sa tête le là, yeah. là. Mais mettons, programme d'excellence, c'est le genre de formation Sharp qui éventuellement pourrait, pourrait faire son chemin pour des orbites qui, oui, sont dans la bonne ligne, mais qui sont peut-être trop rapprochés, tu sais, par rapport au marbre ou quoi que ce soit. Aller prendre ouais. la profondeur sur un jeu. Puis un des gars qui est bon là-dessus, puis peut-être que vous allez d'accord avec moi, c'est Eux de la Ce gars-là. Comment il est capable de jouer avec les ongles, avec des déplacements euh, au minimum. Il, il a une coche, là. il est fort. Peut-être mm -hmm. qu'il en a d'autres, mais moi, l'AF, à chaque fois, je fais OK, ce gars-là, il sait où -ce il s'en va, puis il ne marche pas pour rien. Ouais. Ah, c'est le concept aussi, je pense qu'il comprend le fait que plus tu es, es loin du jeu, ben ça va te prendre bien plus de pas pour aller chercher le même angle que si tu es proche. Donc là, c'est de commencer à jouer avec ces, ces principes-là. Ouais. Parce que si tu étais à... Ben, je, on prend juste les, les jeux à la plate. Si tu étais à trois pas de la plate au lieu d'être à 10 pieds, mm -hmm. euh, si tu fais un pas vers la gauche ou vers la droite, tu viens de changer ta, ta manière de voir le jeu totalement. Si tu étais à 10 pieds, tu fais un pas d'un bout ou de l'autre. Tu n'as pratiquement rien changé de ta vision de jeu. Puis mettons, euh, mettons au niveau des double-jeux, mettons P3, un bon vieux double-jeu là, classique, là, 6-4-4-3. Euh, Qu'est-ce que vous disent de faire pour aller au deuxième, pour le jeu au deuxième but, mettons là? Ben honnêtement, euh, c'est comme un, un petit, un cinq pas à peu près. Fait que tu vas faire ton pas du côté que la balle va, 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 va passer de toi. Tu vas tourner avec la balle. Tu vas être square au joueur qui est en train de, de fielder la balle. Puis, aussitôt qu'il va faire son relais au deux, tu vas faire un drop step pour te mettre square avec le deux. Puis là, tu vas rendre ta décision pendant que tu fais ton premier pas vers le premier but. Puis après, tu prends un deuxième pas, juste un, un read step vers le premier but pour faire le, le deuxième jeu. C'est vraiment un... Puis honnêtement, une fois que tu le fais une couple de fois, c'est, ça se fait tout seul, c'est pas -là, là. Puis tu te déplaces pas pour rien. Là. Tu fais cinq pas, puis tu restes globalement dans la même zone. Tu as peut-être bougé d'un pas ou deux, là, parce que tu fais juste des drop steps. Fait que tu restes pas mal dans la même zone tout le long. Je suis parler et c'est pratiquement naturel. Là. Ah oui, pour vrai lui, la balle, euh, moi là. Je, je me souviens genre de l'avoir oh, les premières fois, c'est un peu bizarre parce que tu penses à tes pas, puis genre à quoi faire. Mais ben, plus mais en juste... plus tu le fais, là, tu fais juste Ah, oh, je dépose mon pied là, ah oh, là, ah, oh. c'est vraiment facile. Tu n'es es pas essoufflé rien, tu n'as pas à courir après un jeu, puis à recourir de l'autre bord tu restes pas mal à la même place. Ça. Ça, puis, comme le temps file, puis qu'on se laisse bientôt, là, je m'étais laissé une note ici que je voulais absolument te demander. Parmi tous les exercices que tu as fait là-bas, euh, ouais. lequel était le plus fucked up? Que tu fait, oh, ça, ça va vite, ça, ça va loin. Il y en a un qui t'a mêlé plus que les autres. Là? Ben, honnêtement, il y a une journée que je pas tant dedans mentalement le matin. Honnêtement, les games simulées, ça peut arriver vraiment vite. Parce que tu dans une game... là, tu fais un jour au premier but, il est out, il sort. Mais là, même s'il est out, souvent il va rester au first. Fait que là, il faut que tu reviennes au map et que tu dis dises, OK, là, OK, il y a eu un retrait, mais il n'y a pas de retrait, le gars, il est au first. OK, le gars, he... Mais là, pendant que tu es en train de réfléchir, il frappe la barre. Là, tu es comme, ah, Chris, il faut que je parte. Fait que là, tu es rendu avec C1, C3. Tu es comme, Chris, il était out au deux. Genre, c'est quoi ça? Fait que c'est vraiment de, de te concentrer. Puis, et en vrai, des fois, tu es perdu. Es... Là, tu dis, puis là, ils te disent comme truc, ah, oh, dis-toi les jeux avant de commencer. Fait que là, je suis comme, c'est un, c'est trois, un retrait, OK. Mais je suis même pas placé, ils frappent la balle. Je suis comme, oh mon Dieu, ça allait trop vite pour moi, des fois. J'étais comme, ça, ça va vite, les jeux, les, les games simulés, là. honnêtement. Ah, écoute, écoute, comme, je, je mais sinon, pas. le reste, <laughs> reste c'était du baseball, puis j'étais correct, là, mais le temps de réfléchir, c'est comme, il y a des coureurs à des places qui sont pas supposés être parce qu'il était supposé être mort, lui, mais bon, mais ça, ça roule vite, là. Hey, je t'écoute parler, puis j'ai juste les games en concours, de l'ABC, les inter Squad que j'ai fait. Ok, cette manche-ci, on commence avec un go, trois. Là, il y a un grounder, puis toi, t'es en mode début de manche, un pas ou deux au premier. Ça descend un plomb à la plate. Puis là, c'est bon, il n'y a pas d'arbitre à la plate parce que, bon, euh, système COVID. Parce que, mais, c est, c est... <laughs> ça, c'est... Je, je, je compatis un peu, mais moi, je l'ai vécu dans, dans, un, dans un environnement pas mal moins stressant, puis beaucoup plus comique à cet effet-là. Puis ça va vite, les reps, là, à l'école pro, là, c'est... Ah, le, le feedback, c'est quand il y a arrête un exercice pour du feedback en plein milieu, c'est que c'est vraiment loupé ou que, tu sais, y a C'est ça, là. Ouais. Parce que c'est go, 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 on enchaîne, puis tu as, as intérêt à suivre. Là. Honnêtement, je pense, que je ne les ai jamais vus arrêter un jeu en plein milieu, euh, c'est arrivé je pense une ou deux fois qu'il y a eu plusieurs fois la même chose qui a été ratée, fait qu'ils ont comme pas juste arrêté le jeu, ils ont arrêté tout au complet, ils ont appelé tout le monde au milieu, puis ils ont comme fait un point là-dessus parce que ça faisait trop de fois qu'ils voyaient ça, mais sinon, euh, tu sais ils vont arrêter euh, ta séquence à toi, au pire ils vont te retirer, mais ils vont en mettre deux autres là, pour, euh, pour continuer de faire rouler parce qu'il y a tellement de monde qui veulent que tout le monde a leur tour aussi. Cool. Là. Mais Parfait. Ouais. Ben, euh, Sébastien, Tania, ça a été un plaisir. Merci euh, d'être arrivés tous les deux là, à la course. Là, Sébastien qui avait des entrevues pour le PDA avant. Tania là, qui revient du gym et qui a un horaire pas chargé. Fait que euh, merci à tout le monde. Euh, merci à ton chat d'avoir collaboré. Euh, <laughs> merci à ma fille de ne pas m'avoir euh, spammé de messages également dans vos oreilles. En fait, j'ai écrit à Gab, j'ai dit là, tu peux-tu gérer le chat parce qu'elle est fatigante? Fait que Gab il a géré le chat. Fait que merci à Gab ah, d'avoir géré le chat. Ah ben good job, on le salue. <laughs> fait, que, euh, fait que nous autres, euh, mais on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la spéciale enfant. Ou est-ce que je niaise un peu, mais on va avoir des jeunes arbitres début vingtaine qui ont, qui ont vécu euh, des, des expériences. C'est de voir comment on passe de l'adolescence au début de l'âge adulte. C'est le travail, les études et tout, tout en reprenant. Puis Tania, nous, on se revoit dans deux semaines pour le spécial Madame. On fait des spéciaux ah maintenant, <laughs> Le Ladies oui. Night euh, de derrière la marbre. Fait que c'est fait un plaisir. On se revoit. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne bon fin soirée. de bye, bye. Bonne soirée.